Et dans le même mouvement, je vais tourner l'incinérateur sur Clayton et allumer. Très bien. Ah! Wilson, t'es juste derrière. J'allume. Ok. Ah bah, tu peux faire un je vais petit me jet pousser un de. peu alors, du Tu coup, peux de faire un petit surprise. jet de. Bah, Ah! déjà, t'es en train de parler, donc. Ça va te surprendre, comme tu le dis. Donc, tu vas faire un petit jet de lance-flamme ou de. Je sais pas si tu l'as dans les. Ah, attends, Bonne fais voir. question. Ça s'appelle incinérateur. Tu as deux dégâts. Ok, bah vas-y. Il n'y a pas de bonus, donc. Qu'est-ce que je fais, pardon? Truc à distance, là, je sais plus comment ça Ah, ok. s'appelle. Combat à distance? Oui, voilà, c'est ça. Et j'ai une question avant de lancer, s'il te plaît. Si je veux Oui. utiliser un point de récit, il faut que je te le dise maintenant ou je peux l'utiliser suite à un échec? Non, tu suis à un échec, tu peux le faire comme ça. D'accord, ça marche. Alors, le point de récit, ça peut s'utiliser juste pour changer un jet de dé ou c'est quoi exactement? En fait, c'est un joker, quoi. Donc, si t'as loupé ton jet de dé, tu peux décider d'utiliser un point de récit pour faire comme si t'avais réussi. Ok. Là, par exemple, elle a potentiellement virtuellement réussi, mais il y a une panique avec. Donc, si son jet de panique lui plaît pas, je peux considérer que elle utilise un point de récit. Je vais faire ça, s'il te plaît. Je Et vais tu fais quand utiliser même un ta point de panique ou récit. pas? Tu testes quand même ta panique ou pas? Oui, Si je tu teste ma l'as. panique et que j'échoue, je peux l'enlever avec le point de récit aussi? Oui. D'accord, alors on va faire ça. Ok, tu vois, t'arrives à maîtriser tes nerfs. Ok, parfait. Donc t'appuies sur la gâchette. Je vais demander à Wilson un test de mobilité pour voir s'il arrive à esquiver les flammes. Putain, tu vas me tuer, quoi. Désolé. Mobilité, mobilité. Oui. Tu me fais un petit jet de panique? Évidemment. 8. Agent Wilson, tremblement. Tes jets d'agilité prennent un moins 2, mais tu réussis à te mettre sur le bord. Les flammes lèchent ta combi, hein, clairement. Et je suis pas sûr que Flynn réussisse un jet de mobilité, lui. On va voir. Ça n'a pas marché puisqu'il faut que je fasse avec la fiche. C'est où? Bah, pourquoi je le trouve pas? Ah, il est là. C'est où la mobilité, vous savez, vous qui venez de la faire? C'est à gauche. Non, je l'ai fait sur la macro. Ok, d'accord. Ok, il réussit aussi. Donc, ce qui se passe dans cette salle-là, d'ailleurs, tu vas prendre un point de stress, hein, Wilson. Tu vois délibérément Cham qui crame Clayton. Clayton qui est dans les vapes, en train de comater, qui ne peut pas se défendre, qui ne peut pas s'enfuir, et qui vient complètement brûler comme une torche humaine. Elle est toujours en train de brûler, elle est toujours en train de brûler, ça la réveille un peu, vous entendez qu'elle hurle. Ça commence à sentir le cramer, toi t'es en train de trembler dans ton coin, là, t'es complètement paniqué. Bah, de voir Cham faire ça, ouais, je pense, c'est pas du tout son genre. En plus, vraiment, je pense pas. Donc quelle Non, est ta réaction? effectivement, pour avoir fait pas mal, quelques missions, enfin pour m'avoir vu de toute façon quelques temps, non, c'est pas du tout, Non, c'est puis surprenant. tout le temps avec le. Putain, j'ai Rosaire là, et puis au final. Au Quelle est final, ta tu prends réaction, les décisions Wilson? comme ça, T'as quoi. pas le temps de parler là. Ouais. Mais Flynn, lui, Cham, il se qu'est-ce qui casse. La t'arrive? porte est ouverte, il se casse dans le couloir. Ouais, je vais me coller à la porte, prêt à partir si jamais je vois qu'elle est devenue folle, en fait, quoi. Je vais essayer de lui parler encore. Mais Cham, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui t'arrive? Elle est dans quel état, Clayton, là? Là, elle est en train de carboniser, en train de se. Comment dire, de gigoter dans tous les sens. Elle n'est pas encore morte. Bah, là, tu sais que dans quelques secondes, elle sera morte, quoi. Ou D'accord, alors, je elle sera vais. tellement blessée que, elle mourra de ses blessures dans quelques temps. Mais si tu veux être sûr qu'elle ne va pas s'enfuir dans un dernier soubresaut de vigueur par la capsule qui est à 2 mètres d'elle, il vaut mieux t'en assurer. Mais par contre, t'as plus de liquide dans ta bonbonne. Tu vois que c'est vide. Ok, dans ce cas-là, je vais lui marcher sur le crâne. Tu Si lui ça mets un craint gros pas coup de pour moi, talon. malgré qu'il y ait des flammes et tout ça.
Bah, tu vas devoir attendre un petit peu, mais ouais, tu peux. Ça dépend si tu veux faire tout de suite ou pas, parce que tu vas pas pouvoir tout faire en même temps. Les autres, ils vont se casser. Non, j'éteins l'incinérateur. En fait, pour que Jones ne voit pas qu'il est vide, je l'éteins manuellement. Et j'attends que les flammes baissent un peu et je lui écrase le crâne. Ok, bah lui, de toute façon, Wilson, tu fais quoi déjà, tout de suite? Que je te dis, je lui parle, je vois, j'attends de Elle te voir si. répond pas là, elle est occupée, tu vois que c'est comme si elle avait vu le diable dans la personne de Wilson, elle est vraiment perturbée là, t'arrives pas à la raisonner. J'y crois Oui, qu'elle moyen s'occupe d'elle. toujours, et tant que, de toute façon, tant qu'elle se retourne pas vers moi avec l'intention de me tuer, a priori, je vais. Tu restes là, d'accord. Tu entends Flynn qui court dans le couloir derrière toi. Qui d'ailleurs il va descendre, il va pas monter, ce sera beaucoup plus cinématographique. Il va descendre et tu vois qu'il commence à tambouriner sur la porte. Et toi dans la pièce, Cham, toi dans la pièce, Wilson, vous voyez Jones, là, le type là, qui était assis sur le truc, qui se relève d'un coup, qui vous regarde, qui regarde Clayton en train de crever. Mais voilà, c'est ça qu'il fallait faire depuis le début, putain, il fallait la buter, bien joué, ouais, bien joué. Il est complètement taré, il est complètement fou. Il est complètement Dès que j'ai hors de fini lui. d'écraser la tête de Clayton, je vais me tourner vers lui, le pointer avec l'incinérateur aussi. Ouais. Et je vais attendre qu'il calme un peu son euphorie. Je Ok. suppose que ça va le faire redescendre assez On rapidement. va faire une petite pause là parce Ça que marche. on va avoir Flynn qui va tambouriner à la porte juste en bas où il y a les autres. Ok. Ok? Je remonte, vous pouvez rester là. Hein. Ouais. Que dire, que dire? Oh non. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je sais pas. Vous êtes en train Non, que dire, que dire? de Pardon, checker vas-y. Ava là, d'essayer de la faire ramener vers vous. Quand vous entendez dans les haut-parleurs, les haut-parleurs de Miller, la voix de Wilson qui hurle, qui dit mais putain, mais Cham, t'es complètement devenue folle, qu'est-ce qui t'arrive? Vous entendez des bruits un peu bizarres, vous entendez des hurlements. Ça doit être des hurlements de féminin, de voix de femme. Et au bout d'une dizaine de secondes, alors que vous êtes en train de paniquer, vous prenez tous les deux un point de stress, vous avez quelqu'un qui tambourine de l'autre côté de la porte là. Ouvrez! Ouvrez, putain! C'est Flynn, ouvrez-moi s'il vous plaît! Elle a pété un On câble, peut elle a pas cramé! Elle ouvrir. a cramé Clayton! Quoi? Mais non, il fallait pas les. Putain! Moi j'essaie de l'appeler dans la radio, tu vois, tu sais, j'appelle Cham, Cham, Ray, qu'est-ce qui se passe, bordel? Wilson s'est enfermé dans la suite, qu'est-ce qui se passe, vous êtes où? Allez, on va Ouvrez regrouper s'il tout le monde, ce vous sera beaucoup plus plaît. simple, parce que là on n'est pas loin de la fin, je vais les chercher. Ouvrez. Vous pouvez remonter tous les deux parce que vous avez Miller qui parle dans les coms et vu que on est Ok. bientôt au dénouement là, je préfère qu'on se rejoigne. Ok. Nous voilà Oui, donc tous ensemble au moment où Miller paniquait dans la voix. Toi, Ray, tu vois les couloirs mais pas la suite de la compagnie, hein, parce qu'il n'y a pas de câble dans la suite de la compagnie. Tu vois d'un côté de la porte Flynn qui est en train de tambouriner, t'entends pas ce qu'il dit, mais tu vois qu'il tambourine, il a l'air complètement effrayé, il vient de sortir de la suite de la compagnie en trombe, et tu vois Miller tu entends Miller qui dit Cham, qu'est-ce que tu disais Miller, vas-y. Tiens, Ray, qu'est-ce qui se passe, bordel? Wilson s'est enfermé dans la suite de la compagnie et on voit plus rien. Ouvre la porte, déverrouillez, vite! Ava, tu peux déverrouiller les portes pour nous ou pas? Je peux essayer. Wilson, qu'est-ce qui se passe, S'il te bordel? plaît. La créature nous a échappé! Et tu réponds pas, hein, Wilson, on est d'accord? Non, je réponds pas. Par contre, je cherche frénétiquement du regard quelque chose qui pourrait servir d'arme. Moi, j'entends toujours pas ce qui se passe. Bon, tu dois entendre si la voix de Miller qui gueule dans les haut-parleurs de Wilson, quoi, voilà. Je vais dire, la créature est morte. Je l'ai achevée derrière la cage d'escalier tout à l'heure. Il faut que tu Ah, parles tu dis fort ça froidement comme ça. parce que si Putain. tu parles pas fort, tu sais qu'il t'entendra pas. Mais t'es Je toujours en train parlerai de pas. pointer Jones, hein, c'est ça? Moi, j'ai Ok. rien. Vous avez entendu la réponse de Cham, hein. On a Wilson, qu'est-ce entendu qui se tous passe? la réponse de Cham, pardon, excuse-moi. Oui, la butte à côté de Miller, on est d'accord. Vous avez exécuté celui qui était blessé, on est d'accord? Oui, la porte. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui se Oui, passe à ouais. l'intérieur? Pourquoi vous avez brûlé Clayton? Non.
Allez, c'était une connasse, je suis bien d'accord, mais elle méritait peut-être pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé, Cham? Enfin, pardon, je vous appelle par votre prénom, on se connaît pas, mais... Qu'est-ce qui se passe? Rai, toi, t'es un peu l'œil de Moscou, là. Tu vois les gens qui essayent de communiquer, t'entends pas trop. Tu peux mettre les haut-parleurs, d'ailleurs, toi aussi. Bon. Tu vois un truc. Il y a une caméra, là, tu vois, ici. Alors, ça, attends, tu vois pas sur le point de toi. Si, tu le vois ici, si, dans si, la caméra. Si, okay, tu vois, oui, vers oui, là. Oui, tu oui. vois Flynn au fond, oui. Ok, d'accord. Mm-hmm. Tu vois Wilson, là. Et ouais. Tu vas pouvoir faire... Et tu vois, dans une autre caméra, Ava, là. Qui s'approche du truc et qui commence à... Avec... un objet à virer le comment ça s'appelle le terminal pour commencer à le chanter, tu vois. Ok. Et tu vas pouvoir faire une seule chose. Ok. Et tu vas me dire ce que tu vas faire parce que derrière Wilson, tu vois le conduit d'aération ici là. Et de ce conduit d'aération, tu vois une petite forme blanche. Petite forme au début, mais qui grandit, qui est en hauteur, qui surplombe Wilson et qui est prête à bondir. Ah mon dieu! Tu sais qu'il y a des haut-parleurs dans le vaisseau, tu sais que tu pourrais le prévenir en fait, mais d'un autre côté, tu sais qu'il y a Ava qui est en train de bidouiller là. Ok. Et ben tu sais ce que je vais faire, c'est encore plus drôle parce que je te l'ai dit en MP tout à l'heure. Donc là, on est dans la situation que tu m'as décrit en message privé, c'est-à-dire que je vais faire ce que je t'ai dit tout à l'heure et du coup je vais faire manger pour Ava. Ava, elle fait quoi comme tech? C'est où comme tech? On passe par la fiche, c'est insupportable. Désolé les viewers, vous savez pas ce que j'ai dit en MP ou MJ, mais c'est encore plus drôle le suspense comme ça. Et toi, tu vas me faire un petit jeu comme tech aussi de l'autre côté pour voir ce qui arrive. Ah, j'ai pas sélectionné mon perso. Mais cool, pas. Ah oui, mais je peux pas sélectionner mon perso parce qu'il est... Ah, je vais te le mettre. T'es qui, toi? Rai. Je te mets dans le mess, ok? Est-ce que je peux être sur le moteur avec les bras croisés en riant? Non. Mets-toi où tu veux, hein, si tu veux te mettre ailleurs. Non, je te mets, t'inquiète. Je te mets là, voilà. T'inquiète. Allez. Hop. Wow. Oh tu peux plus utiliser ton... Non, mon talent, donc j'ai deux jets de panique, c'est ça? Non, tu en jettes un, mais tu ne peux plus annuler la panique. 8, tremblement, tu réussis à faire ce que tu fais, mais t'es complètement paniqué quand tu le fais. Tu sais que tu condamnes Wilson, là, ok? La bestiole, elle est en train de se recroqueviller en arrière. elle va sauter, c'est comme un lion sur sa proie, là. Elle va sauter sur Wilson d'en haut, et tu sais qu'il n'aura aucune chance. Laissez-moi vous expliquer, Wilson. D'un autre côté... Vous êtes dans le couloir de la zone vie. Vous avez Ava qui vous dit « Je vais pouvoir réussir à ouvrir. Ne vous inquiétez pas. » Elle prend sa main. Elle a qu'une seule main. Elle commence à bidouiller. Crac, crac. Elle prend deux fils. Elle arrive à mettre les deux fils ensemble. Et au moment où elle met les deux fils ensemble, une immense explosion. Pouf ! Elle est éjectée le long derrière contre le mur. Pouf ! Et tête qui tape. Il y a plein de sang synthétique qui gicle partout. Elle s'affale au sol. La porte reste fermée. Désolé. Oh non. Wilson, je vais te demander un petit test d'observation quand même. Est-ce que je vois la bête derrière Wilson où je suis? Non. T'es en train de braquer l'autre, donc non, tu le vois pas. Ah mais Clayton, quoi. On est bien d'accord sur le fait que Clayton est morte. Tu t'en sais rien. Wilson, t'as fait une observation, t'as réussi deux fois, t'as un jet de panique. Je te demande de réussir un jet de panique. Panic roll à 7. Tu as juste un petit tressaillement nerveux. D'accord. Au moment où tu te retournes, t'es dans la salle de la compagnie, il y a des gens autour de toi. Tu vois la bête. Elle est en train de se reculer pour te sauter dessus. Je vais tout de suite te mettre à l'abri en rentrant. Tu utilises ton... Est-ce que tu utilises ton talent, soit tu te la prends. D'accord, c'était ça la question. On estime que j'étais là. Tu prends un point de stress. Tu lances un jet de manipulation. Juste savoir. Oui, non, rien. Ouais, très bien. Il n'y a pas 36 solutions en fait. J'annonce à haute voix ce que c'est. Mon talent. Déjà fait le jet, parce que si ça ne réussit pas, il va rien se passer.
C'est vrai. Par contre, ça te fait gagner un point de stress, on est d'accord. Hein. Je l'ai pris déjà. Ok, moi je vois pas de jet. Oh putain! Franchement, bravo. Donc vas-y, le résultat final, c'est que tu vas te cacher derrière quelqu'un. Et tu pourras soit arriver derrière Clayton, ça sert à rien, mais Cham ou Jones, d'accord, ou éventuellement Flynn, si tu décides que tu étais entre les deux, ça m'est égal complètement. Mais c'est toi qui décides comment tu le fais, mais je te dis juste à la fin, tu vas arriver, à la fin de ton action, ce sera comme ça. Ok, et je vais donc utiliser ma capacité spéciale. Et au moment où je vois la créature, en fait, j'ai le réflexe de paniquer à moitié, de me jeter derrière Jones et de lui mettre un gros coup de pompe dans le cul qui va le pousser dans la direction où j'étais et du coup, il va prendre la bête dans la gueule à ma place. C'est sale, mais c'est beau. D'accord, donc tu passes devant Cham, qui était en train de pointer du doigt, enfin de pointer du brûleur Jones. Tu montes sur le lit en hurlant « Moi d'abord, laissez-moi tranquille, non, je ne veux pas mourir, je suis trop précieux !» Et tu vas te cacher derrière Jones. La créature a eu le temps de bondir, d'atterrir là, et elle se jette sur Jones. Elle se jette sur Jones, et elle va lui faire un petit jet. Je vais lancer 8 des 6. Est-ce que tu me permets de faire quelque chose pendant ce temps-là? Là, c'est au tour de la bestiole, donc qu'est-ce que tu voulais faire? Je voudrais, si c'était possible, passer entre Jones et Wilson, pardon, et venir me plaquer contre Wilson. En fait, le mettre dans un coin de mur et venir vraiment l'enfermer par mon corps derrière moi. Mais tu feras ça quand ce sera ton tour, c'est trop long. Ok. D'accord. Non, je me remets. Du coup, vous avez l'alien là, saute par-dessus Clayton, qui saute sur Jones, qui l'empale avec sa queue dans un rein ou un truc comme ça, le bas du ventre là. Et avec sa queue toujours, elle le ramène vers lui, elle le prend, elle l'emporte. Et. Lui, il se débat, il hurle, hein. Vous voyez qu'il essaye de taper dessus, etc. Et la créature recule, n'est plus vraiment dans la même zone que vous. D'accord. Okay. Flynn, lui, est toujours en train de tambouriner sur le truc. Wilson, t'es toujours en panique sur ton lit, en train de dire « Laissez-moi tranquille. » Qu'est-ce que vous faites d'autre, Cham? Wilson. Alors, j'annule ce que même les autres dans le couloir, hein, on s'en fout du temps d'endormir maintenant. Je vais juste regarder Wilson et je vais lui sourire naturellement et je vais lui dire ça va, t'as rien? Non, ça va pas, faut qu'on se casse d'ici tout de suite. Rai, où est-ce que t'es, bordel? Dans le com, vous deux dans la zone vie là, vous entendez pas. Rai, où est-ce que t'es, bordel? Rejoins-nous, putain, où est-ce que t'es? Non, pas tout de suite, Wilson, pas tout de suite. Quoi? On va pas partir tout de suite. Pourquoi? Parce que je t'assure qu'on va pas partir tout de suite. Qu'est-ce que tu racontes, Cham? Il faut qu'on parte tout de suite. Qu'est-ce que le vaisseau est perdu? Ça me brise le cœur de le reconnaître, mais regarde. Clayton est morte, l'autre. Il est où l'autre? Je regarde par la porte, du coup, il est toujours en train de tambouriner. Ouais, il est toujours en train de tambouriner. Tu dis ça, l'autre il est en train de tambouriner? Moi, tu l'entends de toute façon. Ils sont complètement en train de paniquer. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît, je vous en prie. Limite, il a genoux. Alors, contre je te la passe porte, devant. Quoi. Je descends. Et je alors, attends, on va faire pause deux secondes. Les autres, vous faites quoi pendant ce temps? Non, merci. Mais les autres, vous faites quoi pendant ce temps? Parce que vous entendez tout ça, hein, n'oubliez pas. Il y a eu un gros boom. Moi, je nous, on n'entend pas. Il a dit quand Wilson parle, je crois. Du coup, on voit Cham, dans tous les cas, arriver, c'est ça? Ouais, non, tu la vois pas parce que. Non, oui, si, il y a peut-être un petit hublot, ouais, t'as raison, là c'est un endroit où il doit y avoir un petit hublot. Mais surtout, okay. T'as Ava qui est complètement HS par terre là. Ouais, non, mais de toute façon, Ava. Elle est en train de faire des soubresauts là, bzzz. Désolé, j'ai pas le temps d'aller à son chevet, c'est un endroit de toute façon, donc on va. Franchement, je vois pas. Désolé, mais je vois pas trop. Moi, je vais tenter. Ascenseur, du coup, il fonctionne, tu disais?
Moi je vais aller voir celui là, de gauche. Donc, on peut celui de gauche, pas celui de droite. Ah oui, bien joué Miller. Moi je vais me rapprocher de l'ascenseur et je vais dire à Miller peut-être qu'il va falloir qu'on passe par l'ascenseur en bas, qu'on fasse tout le trajet jusque là-bas. Ça me paraît n'importe quoi, mais de toute façon je vois pas d'autre solution. Okay. Mother à la limite, mais moi j'ai pas d'accès. Hein. J'ai rien du tout. Wilson, toi, t'as vu Cham qui passait devant toi, tu fais quoi? Tu restes dans l'entrebâillement de la porte, là, ou tu fais autre chose? Moi, si je vois qu'il y a Cham qui est venu, je l'attends et je tape à la vitre, tu vois. Oui, je m'occupe à la Wilson. Je parle à Wilson, c'est pas grave. Moi, c'est pas grave. Ouais, je t'ai envoyé un MP. Oui, j'ai vu. Je voulais juste savoir si t'allais dans le couloir, en fait, ou si t'allais pas dans le couloir. Parce qu'en fait, ce qui se passe en même temps, je te le dis en clair, c'est qu'il y a Rai qui est en train de regarder les caméras, là. Et lui, il voit que t'es en train de... d'être au milieu de la porte, d'accord? D'accord. C'est tout, c'est juste pour savoir. Je vais pas rester devant la porte, parce que qu'il me reste... Ok, donc tu rentres à l'intérieur, pas de soucis. Rai, tu nous diras si tu verrouilles ou pas, hein, tu fais ton petit plaisir. Dans ce cas, quand Wilson, tu rentres dans la suite de la compagnie, je vais, la porte plutôt, qui est devant toi, va se reverrouiller à peine tu as passé, tu sens un léger courant d'air limite dans ton dos. Et en même temps que ça, la porte qui est devant Flynn et toutes les portes qui sont au sud du vaisseau vont s'ouvrir. D'accord, donc on tombe à genoux, en tête les premières dans la zone de vie. Là. Derrière, ceux qui pourraient regarder verraient Cham. Je chope Flynn, je le jette. Est-ce que vous pouvez réparer Non. Non, mais c'est un médecin, lui, c'est pas. Non, je sais. Cham, tu fais quoi? C'est essayer de. Parler, n'hésitez pas à dire ce que vous faites, n'attendez pas que je vous demande ce que vous faites. Je descends et dès que je suis à hauteur de Flynn, je lui assène un énorme coup de bras mécanique sur l'arrière du crâne. Ok. Oh putain. Bah, tu me fais un petit test de fracassage de crâne. Ouais, voilà. Je vais me mettre là, contre le mur, je pense. En voyant ça. Ouais, je pense pas qu'il y ait de bonus avec. Ok. Lui, il va faire. Il a pas d'armure, lui. Il a peut-être limite une observation pour essayer d'esquiver. Non, il peut pas. Il peut pas esquiver. Il se prend ton bras dans la tronche. Tu vois que ça le tue pas. Ouais, bien sûr, ça l'assomme. Par contre. Et il est inconscient. Il est inconscient. Ouais. Et par contre, il a un gros. Il a un œuf de pigeon qui a poussé tout de suite sur sa tête. Quoi, tu vois, c'est... Je pointe Cham du coup du fusil et je lui demande juste qu'est-ce qui se passe, Cham? Qu'est-ce qui vous arrive? Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai aucun problème avec vous, Reed. Je sais qu'une partie de votre équipage nous a. Essayez de nous trahir en tout cas et de nous causer problème. Mais je n'ai pas de problème avec. On est d'accord là-dessus. Flynn, je ne sais pas s'il était au courant, par contre. Je préfère vous le dire. Et exécuter les gens qui étaient au courant, c'est pas. Enfin, comment dire Wilson, peut-être qu'il est encore. Enfin, je ne sais pas ce qu'il a en tête. Je ne sais pas ce qu'il veut faire. Mais peut-être qu'on peut lui faire confiance. Donc, apporter des éléments, c'est bon pour lui. En tout plonger cas, mes yeux dans les tiens et te dire Flynn était au courant. Il n'était au courant. Bon, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut le mettre au fer plutôt que de l'abattre, s'il vous plaît, Cham, pour l'instant? Non. Mais et en parlant, si tu m'autorises, Rosen, je vais lui marcher sur le crâne de la même façon. Dégueulasse. Wow, nice. Mais what? Si t'avais eu un deuxième succès dans ton truc, je t'aurais dit oui. Là, tu me relances un G, par contre. Mais, et pareil, corps à corps ou... Oui, corps à corps, ouais. Je vais lui marcher sur le cou, en fait, pas sur la tête. D'accord. What? Je peux pas l'en empêcher, j'ai pas le temps de l'en empêcher. Putain, tu y arrives. Ah non, du coup, non. Ton objectif, c'est quoi? C'est de la tuer ou... Ah non, pas du tout. Non, de l'immobiliser, mais du coup... Non, je parle à Cham. Ah pardon, excuse-moi. Non, je veux le tuer, je veux tuer Flynn. D'accord, vous avez une giclée de sang, une vertèbre qui se brise, etc. Et il va se passer plusieurs trucs en même temps. Alors on va faire ça en clair parce que de toute façon on est presque fini. La première chose, personne ne voit, même pas Rai, c'est Wilson dans la suite de la compagnie. Wilson, t'as les mains qui tremblent, mais tu sais que dans cette pièce, il y a une capsule d'évacuation. Ouais. Tu le sais, ils en ont tous parlé. T'as cru comprendre. Je le sais et... Que Jones t'avait montré où c'était. Ouais, voilà. Jones, quand il a essayé de forcer sur la plaque de bois de l'arrière là, du dressing, là, c'était pour te montrer quelque chose.
Ouais, mais je le savais déjà. T'arrives, tu prends ta carte d'accès, là, tu fais... Enfin, d'abord, avant de prendre ta carte d'accès, tu fais coulisser délicatement le panneau de bois, et puis tu le vois, ton vaisseau de sauvetage, là. Ta bouée de sauvetage. Celle qui va te rendre riche. D'ailleurs, tu vois qu'à l'intérieur, il y a des tas et des tas de billets de banque. Il doit y avoir plusieurs millions de dollars à l'intérieur. Et posé sur une petite console, là, il y a un cube de données. Lui, tu sais qu'il vaut des milliards de dollars. Ils étaient là, les données, les... putain. Et devant toi, tu as un petit pad sur lequel il faut passer ta carte. Je passe ma carte. Et ça te demande code d'accès. 966. Erreur. What? Est-ce que je peux intervenir? Est-ce que je peux parler en privé, même si je vais le faire en public avec vous, les amis, hein, pourquoi que ce soit toujours, mais est-ce que je peux pas parler que à... Je vois pas dans la suite, hein. Oui, oui, tout à fait, tout à d'accord, fait. D'accord, très bien. Mais je sais quelle porte, tout ça, j'ai verrouillé, j'ai vu par rapport au couloir, et je sais très bien qui est resté dans la suite, du coup. J'ai vu tout le monde au bout du couloir. Et dans ce cas, et à ce moment-là, en fait, quand tu passes ta carte et que ça te dit erreur après avoir tapé le code, tu vas entendre, alors que ça faisait plusieurs dizaines de minutes que personne n'avait entendu rien, et pour le coup, t'es le seul à l'entendre. Je me mets en direct avec toi. Tu dis, Wilson, j'en ai rien à foutre de tout ce qui se passe sur ce vaisseau, mais je vais rentrer à la maison et je veux le double de la prime. Mon frère et moi, on en a besoin. J'en ai rien à foutre de ce qui se passe, mais je suis le seul à pouvoir ouvrir la capsule d'évacuation. Je sais très bien quel est l'âge, je l'ai vu sur les plans. Tu m'as entendu plein de fois te dire de nous rejoindre. Moi, je comptais qu'on parte avec Cham et qu'on quitte ce putain de vaisseau, qu'on laisse cette enflure de Miller à son triste sort avec son pote Reed là. Et leur vaisseau de merde. Rejoins-nous, on se casse. J'ai un plomb par contre, je sais pas ce qui lui arrive, mais rejoins-moi, on se casse. C'est pas encore le moment. Tiens bon, je vois mieux que toi ce qui se passe dans le couloir, c'est pas encore le bon moment. Je te rejoins bientôt. Et la deuxième chose qui se passe pendant ce temps... Ah, tu voulais dire un dernier truc, vas-y. Ouais, Rai, je te laisse tout le pognon qu'il y a dans la navette, je prends que les données. Oui, oui, tiens bon encore quelques minutes, j'arrive. Du coup, dans la zone vie... Si j'arrive maintenant, ouais. Flynn était tombé du côté de la zone vie. Cham avait fait quelques pas pour lui écraser la tronche. Eh bien, d'accord. Dans ce cas-là, à ce moment-là, la porte qui est, je suis désolé, hein, je te coupe, MJ, c'est non, pas bien. Non, mais c'est pour ça que j'ai fait ça, t'inquiète, vas-y. Et derrière vous, qui mène au couloir, entre la zone de vie et l'autre, se ferme également. Ok, et ça se ferme, ça se verrouille. Vous entendez un bruit d'électronique. Miller et Reed, vous êtes complètement hallucinés par ce qui vient de se passer. On va se faire enfermer dehors, quoi. Mais surtout, ah mais là, on s'est Cham vient de baiser, claquer quoi. La gueule mourir, du juste. Petit scientifique. Ouais, mais ça encore, moi, lui, ça me choque peut-être. Ça te choque pas, ça? D'accord. Bah, un peu, je pense. Mais tu vois, c'était... Moi, c'est un membre de mon équipage, je détestais, mais bon. Bah, moi, comme je l'avais dit avant, bah, j'ai un plan pour nous faire sortir Cham, Rai et... Enfin, avec Cham et Rai, tu vois, moi, je voulais qu'on se casse. Et du coup, moi, je me dis, ah bah, dans ma tête, c'est... Cham, elle fait preuve de loyauté envers moi, tu vois. Elle a pas oublié ce que je lui ai dit, elle vient me chercher. Et là, du coup, la porte se referme, je comprends pas, tu vois. Alors, c'est quand même un sursaut quand la porte se referme. Hein. Ouais, d'accord, très bien. Je regarde arrière. Elle se referme là, on est d'accord. Elle se referme ça, juste là, ouais, c'est ça. Mais il se passe pas un autre truc de que je voulais vous dire. Cham, je vous souhaite la bienvenue dans le clan des baisers. On vient de juste de se faire mettre à mort par vos potes. Oui, je parlais, c'est super sympa s'il vous plaît. De vous avoir accueilli. Pardon. Ah, c'est important. Pardon, Rosanne. My bad. Je croyais justement qu'il fallait. Vous avez Ava qui est à moitié au sol, qui était en train de shaker il n'y a pas 30 secondes. Quand sa tête se tourne dans un angle vraiment compliqué et impossible pour un humain, mais elle voit la scène, d'accord? Elle voit la scène de quelqu'un qui vient de casser la gueule à Flynn. Mm-hmm. Elle dit. C'est impossible. Vous violez les lois de la robotique. Un androïde ne peut pas faire de mal à un humain. Machine hostile détectée. Pardon ? Je vais la gifler. Yes. Cham. Avec son propre Cham. Bras. Non, avec le mien. Je vais la gifler avec mon bras, moi. Mais ta gueule ! Du coup,
Cham, tu es totalement révélé à ton entourage. Ta vraie nature de synthétique a été dévoilée par Ava, le second synthétique. Déçu, puis finalement je relève le regard vers mes collègues avec un petit sourire un peu bizarre. Et j'hausse les épaules. Moi je hausse les épaules aussi, en même temps. Cham, là tout de suite j'en ai absolument rien à foutre de ce que vous êtes, quoi que ce soit. Par contre, ça m'arrange que vous soyez un androïde. Est-ce que vous pouvez ouvrir cette putain de porte, s'il vous plaît? C'est pas, j'attends la réponse. Tu dois pas changer les trucs sur tes stats avant là. On peut parler, raille. Attends, hein. Je sais plus comment on fait. Tu dois mettre ta force plus 3, je crois, ton agilité plus 3 et donc ta vie plus 3, je crois. Ouais, c'était ça. C'est ça ? Je me rappelle plus du tout. C'est si j'ai la carte sous les yeux. Parfait. Alors, santé plus 3, je peux pas le faire ? Non, mais quand tu vas changer ta force, ça va changer ta santé. Ah, d'accord, pardon. Alors. Bon, j'ai pas les cartes sous la main. Ah si, c'est là. Plus 3 en agilité, plus 3 en force, c'est ça. Tu passes à 0 en stress aussi. Ok. Donc vous avez Cham qui a son cou qui lui aussi fait un angle un peu compliqué et qui marche en direction d'Ava. Elle n'est pas non plus inarrêtable. À vous, tous les deux, non, ouais, de dire ce que vous faites. Je vais de moi-même m'arrêter en fait dans mon geste, parce que ce que je voulais, c'était la faire taire, mais puisque c'est trop tard, je m'en fiche d'elle. D'accord. Je vais me concentrer sur la porte. Par contre, je suis désolé, mais la santé, ça fonctionne pas. Ça m'a pas mis à plus 3. Non, ça t'a pas mis à plus 3 sur le token, je pense, mais peut-être que ça t'a mis sur le... Sur la fiche non plus. Sur la fiche. Non, sur la fiche non plus. Non. Mais t'as mis la force à 8 ? Oui. Okay. Si je peux me permettre, cher MJ, avant que ce soit fini, ouais. Pendant que je fais les 100 pas, pendant que Rai est supposé peut-être me rejoindre, je joue avec ma petite carte pour perdre un point de stress. Oui, pas de soucis, si tu l'avais jamais fait du tour, moi ça me va. C'est à toi de prendre de l'acte. C'est okay. À toi de prendre note de ça. Je le fais. Ok, très bien. Toi, Rai. Oui. T'as verrouillé les portes. Je suis désolé, j'ai plein de trucs à faire en même temps, j'ai pas regardé vos MP. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu descends vers... Une fois que j'ai verrouillé la porte de zone de vie, que je pense avoir fait ce que j'avais à faire, je ne sais pas ce qui se passe, hein, je ne sais pas ce qui se passe pour Cham, etc. C'est méta. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, dès que j'ai fait ça, que j'ai verrouillé, j'ouvre les portes qui m'intéressent et je cours rejoindre Wilson. Très bien. En tu dois faire un test d'air déjà. Je le précise en priant parce que. Il faudra pas que je croise. Que ce soit. Ah putain, plus que deux. Ok. Et courir pour toi c'est très compliqué vu que t'es en train de trembler, tu te souviens, hein. Tu étais toujours fait. Avec ta petite panique. Voilà. Tout à fait. Moi, je cours en ayant des spasmes. Tu cours en loupant des marches. Tu arriveras sur le pont B, bien sûr, mais ça va prendre un petit peu plus de temps que si t'avais été fringant. D'accord ? Ok. Pendant ce temps, les autres, alors vous faites quoi ? Je vais dire au groupe, Wilson aussi fait partie des traîtres. Il faut qu'on l'arrête. Je vais commencer à forcer vraiment de toute ma force de bourrine sur la porte. Ça ment. Très bien. Au moins une qui me croit. De toute façon, moi, avec Cham, on s'était mis d'accord. Je réessaye ma carte hein, frénétiquement. Ouais, ça, c'est dommage, on a pas pu demander... s'accorder sur une chose. Je vais demander à Reed et à Miller de cliquer sur leur perso et de lancer 9 dés de stress chacune. 9 dés de stress. Dés de stress, ok. Et 9. Ok. Pardon, j'ai un dit. Nice. J'imagine que ça annule pas en plus. Il faut un jet de panique. Oh là, jet de panique, 3 jets de panique. Non, non, c'est bon, il n'y a pas de jet de panique. Il n'y a pas de jet de panique. Ça fait un petit moment, toi. Oh Reed. La vache. Et ouais. Pour Miller, c'est un petit peu nouveau par contre. Mais toi, Reed, ça fait un petit moment que. T'as envie d'action là. Ah, mais oui. Ton flingue te démange. Ton flingue te démange et la situation commence à
t'énerver. Ça te monte les nerfs, là. La seule chose que t'arrives à faire tout de suite, c'est de gratter frénétiquement les avant-bras, là. Putain. Tous ces enculés, là, qui vont s'en sortir, et nous, on va crever, ici. Ah ouais, ça, franchement, c'est plus chier. Toi, Miller... Bien m'aider, plutôt. Putain, toi, Miller, dans ton esprit... Dans ton esprit, tu vois rouge, aussi. Putain, un bras de métal. Ouais. Tous tes potes, là, qui sont retournés contre toi. Wilson qui s'enferme, l'autre, la Clayton qui vous a fait croire que c'était elle la chef alors qu'elle voulait juste se barrer, Cham aussi qui t'a menti, qui est finalement pas un humain, Rai qui répond pas depuis tout ce temps, t'as-tu qu'une seule envie, c'est de prendre ton flingue et de leur mettre une balle à chacun, là, tout de suite, maintenant, là. Bon. Oh, ok, alors, t'arrives à te contrôler, ouais. Mais en méta, là, t'as un truc à vriller dans ton cerveau. Ok, mais tu es des gens maintenant. Bon. Tu voulais dire quelque chose par rapport à ça? Non. Je me rapproche de Cham et je lui dis cette petite ordure de Wilson. Je voulais juste l'assommer et qu'on puisse trouver une solution plus tard ensemble. Mais je savais pas que c'est à ce point-là une ordure. Et j'essaie de trouver un traître, capitaine. Ah, j'avais une toute autre idée en tête, ça aurait rejoué beaucoup de monde, mais bon. On n'a pas vraiment eu le temps de discuter. Vous voyez ce que je veux dire? En même temps que je parle, je commence à forcer sur la porte, hein. Je perds pas de temps. Mais je réponds juste tu ça, fais un jet de force. C'est un traître. Est-ce qu'on peut faire des jets communs? Enfin, est-ce que je peux l'aider? Parce que je viens de me rappeler qu'effectivement j'ai un bras mécanique quand même. Est-ce que ça peut l'aider ou pas? Tu peux essayer de l'aider, ça lui donne un bonus. Ouais, je vais demander de l'aide. Je lui file un coup de main avec mon bras, sœur de bras. Je peux quoi dire? Pardon. Je fais un jet, non, j'ai juste un plus un pour elle. Mais c'est elle qui fait le jet. Donc je fais force et je. Pour les empêcher. Pardon, tu as dit Rosen? Moi j'ai dit, il y a une personne qui fait le G. Oui, c'est ça, voilà, je laisse faire et porte. Moi je lui donne un plus 1. On est d'accord. Bonus, c'est ça. Qui est-ce qui veut utiliser un point de récit pour influencer sur le jeu? Tu peux pas, je pense. Hein. Mais tu veux faire quoi? Je sais pas, craquer un point de récit auprès du. Vraiment en méta, auprès du MJ pour dire non, je claque un point de récit pour les empêcher. C'est une carte non. Non, c'est pas possible. Ah, c'est sur un G, là. Ok. Ouais, pas de soucis. Bah, du coup, je vois pas trop ce que je peux faire pour me mettre en opposition. Tu dis quoi, Miller? Vas-y, répète. T'as écrit un truc et... Ah ouais, non, c'est juste... J'ai mon chat qui m'a sauté des genoux et du coup, j'ai rien entendu de ce que tu m'as dit, mais c'est pas grave, tant pis. À quel moment? Par rapport à quoi? De tout ce que tu m'as dit. Bah, je t'envoie un MP sur Discord. Ouais, t'inquiète, merci. Et je vais faire pareil à Vanitas. Ah, ok. Très bien. Merci. Prenez 30 secondes pour lire. Merci. Ça sent le game changer. J'avais pas vu que j'avais un. Non, mais je viens à peine de l'envoyer en fait. Ah, très bien, ok. Ra, et toi, t'es en bas. Hein. Ça y est. Ouais, faut que tu me dises où j'en suis exactement. Est-ce que je vois? Parce que du coup, je sais pas. T'as ouvert tout en fait, finalement, sauf cette porte, c'est ça? Oui, dans pour cette pouvoir passer. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ok, d'accord. Très très bien. Du coup, Cham, t'as réussi? Oui. Ok. T'as réussi, mais ça t'a pris un peu de temps. T'as fait une réussite normale. Donc, ça va prendre facilement 5 minutes. D'accord? D'accord. Ok, très bien. Pendant ce temps, Rai réussit à atteindre le couloir principal qui vous intéresse. Il y a Wilson qui est en train de t'attendre dans l'entrebâillement. Et d'ailleurs, ceux qui regardent alors que Cham a juste un petit peu voilé la porte sans que personne puisse passer, mais bon, il y a quand même un jour, vous le voyez, hein, qui est en train de courir et qui est en train d'arriver dans... Alors, s'il le voit, est-ce que je peux utiliser mon deuxième point de récit pour défoncer la porte immédiatement ou pas? Non, parce que ça te fait juste réussir un jet comme tu viens de le faire, donc non. D'accord, ça peut pas le faire réussir plus fort. C'est pas une réussite en plus, c'est une réussite flat comme ça là. Okay. Si je saute en même temps, tu vois, si je la vois faire, je me coordonne, ça, on peut faire ça à deux. Ça a déjà été fait par Reed. Ah, voilà. Ouais. En fait, il y a plus trop de place autour de la porte, quoi, tu vois. En plus, il y a le corps de Flynn là.
Grue-toi, Ray, je sais pas ce qui. Je comprends rien à ce qui se passe, ils sont tous tarés, grue-toi, on se casse. Ray, tu arrives dans la suite de la compagnie. Très bien. Tu fais quoi dans cette suite? Bah, je me retourne sur la porte que je viens de franchir et je l'appuie pour la fermer. Et après, je veux prendre deux minutes où on verra, mais voilà, je vais prendre le temps pour la verrouiller d'ici. Donc, au pire, s'ils arrivent, elle a besoin de renforcer la porte de nouveau. Et ben, du coup, comme tu peux la verrouiller sans être sur un machin. Elle peut chanter de l'autre côté. En fait, c'est au niveau des filles. Je vois tout de suite ce qu'il essaie de faire, je veux l'aider. Bah, tu y connais toi un petit peu en Comtech? T'as combien en Comtech? J'ai des points de récit, monsieur. Non, mais c'est pas toi qui fais le jet. Donc, Comtech, tu as 1. Oh. Tu peux lui donner un point de bonus, ouais, vas-y. Je sais pas, ça, c'est quoi ça là? C'est mon jet de Comtech et ma panique. Ok, panic roll, 12, hurlement. Vous hurlez à plein poumon. Tu perds un point de stress, mais tous ceux qui t'entendent et qui sont amis avec toi prennent un point de stress. Donc Wilson, tu gagnes un point de stress. Désolé, mon ami. Ray, t'en perds un. Par contre, l'action... putain! 4 réussites. T'es en train de hurler, ferme-toi, 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 au moment où, de l'autre côté, la porte lâche. Ok. Cham réussit à ouvrir. Ray, oh yes, je peux la pousser. Et courir. Je sais pas si elle va se laisser pousser. Pardon. Je me lâche pas trop. Je voudrais, enfin pas la pousser, vraiment m'engouffrer dans le truc. Je veux aller là-bas. Ici. Ça c'est mon. Partant tout. Du principe que je me relève un peu après que la porte est cédée, oui, ça me paraît. Ça me paraît logique que tu puisses passer. Merci. Et je m'élance derrière. Ray, t'as pas réussi à verrouiller. Ah bon? Non, parce que quand tu dépasses le 12, le 10 sur la panique, l'action n'est pas réussie. Je me souviens, on avait dit déjà. Ok, bah je me souviens plus, mais ok, c'est l'étude. Tu hurles, tu je vais pas y arriver, tu vois, un truc plutôt comme ça. Putain, j'ai les mains qui tremblent et du coup, j'arrive pas à faire. C'est-à-dire que ça, c'est pas verrouillé. Ouais, c'est pas verrouillé. C'est ça, c'est juste sur. Vous pouvez arriver comme vous voulez, hein. Je vous demande de prendre la parole. Hein. Je vais pas donner la parole à chacun. Je voudrais bien aller jusqu'à la porte et l'arracher et lui sauter. Elle est ouverte, elle est ouverte. Moi, je me précipite sur Wilson. Je prends lui. Non, je me casse, moi. Je saute sur Wilson. Ah, tu chopes Ray? Rip? Ouais, clairement. Je vais te sauter dessus, alors. Très bien. Que dois-je faire? J'ai une question. Moi, là, je suis désolé, mais lors de mes interrogations, tout ça, MJ, est-ce que j'ai eu le code de la porte de la capsule? C'est peu probable, en vrai, mais je préfère poser la question. Okay. Non. Ok. Ben... En soi, je vais pas te sauter dessus, mais je vais m'interposer. Et je peux dire quelque chose? Pardon, oui. Vas-y, excuse-moi, Cham. Non, vas-y, excuse-moi. Vous voulez qu'on fasse un turn order? Il y a eu un petit lag, j'ai l'impression. Non, vas-y. Vas-y, Cham, excuse-moi. Mais je vais juste me tourner vers Ray et je vais te dire qu'est-ce que tu sais exactement sur ces créatures ici? Qu'est-ce que tu as trouvé exactement? Et tu vois que mon regard n'est pas celui que tu connais du tout. Les créatures, j'en ai rien à foutre. Ce que je veux, c'est quitter cet endroit en vie et puis que mon frère ait de quoi se soigner. Tu as quoi comme information sur ces créatures exactement? Tu sautes sur qui, toi, pendant qu'il parle? Ray. Il va faire le premier à vue et c'est lui, il était dans ma ligne de vie. Faites-moi un petit jeu. Mais moi, et vous êtes tous condamnés. Il n'y a que moi qui peux ouvrir cette porte. Ah, initiative. De toute façon, il n'y a plus de PNJ là. Donc, 7. Bon, ça va, vous avez le temps. Et il faut qu'on fasse tous, pardon. Moi aussi, pardon. Oui, parce que sinon c'est... Merci, quoi. Alors, quand c'est fait pour tout le monde, c'est bon? Comme ça, je peux trier? C'est bon, moi, c'est fait. C'est qui? Ah, c'est Ava, 11, ça va. Oui, ça va. Oh, okay. Ray, dommage. Pardon. Donc, la première à être rentrée, finalement, dans cette pièce, c'était Miller, ok? Suivi... Enfin non, c'est pas elle Cham, qui alors, en premier, mais c'est elle qui... Non, c'est elle qui agit en premier, donc... Alors attendez, toi t'es en train de dire un truc, c'est ça, Cham, ok, donc Reed, ouais, c'est à toi en fait, ouais, tout à fait. Ah Cham, tu parlais, donc c'est à moi? Ok, ouais. j'empoigne Reed et je vais essayer de lui plaquer le shotgun et de lui tirer dans le vide, j'imagine. Okay. Désolé. Par contre, j'étais entre vous deux, hein. Mais ouais, normalement, elle voulait par là, t'es à côté, plaquer. La pièce est grande, donc vous pouvez... Il semble qu'elle voulait me plaquer, donc... Bah non, elle voulait te plaquer, d'abord, elle était en train de parler, donc... Ouais, okay, non, je parlais à Ray, et je m'étais interposé, en fait... T'es en train de lui parler, t'es en train de le regarder droit dans les yeux, en disant « Qu'est-ce que tu sais sur ces créatures? Réponds-moi, c'est important. » Lui, il te dit « Il n'y a que moi qui peux ouvrir, je veux juste m'enfuir. » Et puis, vous avez Reed, derrière, qui
sort le flingue, qui peut-être dit quelque chose, j'en sais rien. Mais vous voyez qu'elle est déterminée. Vous mourrez tous. Ah, elle a dit quelque chose. Peut-être pas mille heures. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Il y a que moi qui. Il y a que moi qui ai le code. Vous allez tous mourir, sauf peut-être mille heures. Mais non, mais même pas. Non, vous allez tous mourir. Vous avez un bordel dans ce vaisseau qui était déjà dans un état mais pitoyable. Vous m'avez rendu la vie mais tellement difficile, alors que tout ce que je voulais, c'était que vous vous échappiez, au moins trois d'entre vous, je m'en foutais desquels. Moi, je voulais faire brûler ce putain d'engin, et vous avez pas voulu essayer de discuter, d'écouter. Vous êtes des idiots. Et je tire à ce moment-là, je pense. Très bien. Tu peux faire... Toi, t'as vu, hein, Rai. Tu peux faire un test de combat à distance, même si t'es proche, hein, Reed, avec... Ou alors, si t'as ton fusil dans ton inventaire, tu cliques carrément dessus, tout en bas, c'est plus simple. Toi, tu dois l'avoir, je pense. Ah oui. Dans ta fiche, tout en bas, dans ta fiche. Ouais. Tac. Wilson, attaque. Toi, oui. Ok. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Oh, dommage. Est-ce qu'il y a un truc de stress par rapport au stress, toi, du coup ? Ah, moi, après, j'ai une mécanique, mais... En fait, non, si tu lis bien le machin que je t'ai envoyé, ton flingue, en fait, tu t'en sers pour lui casser la gueule avec, en fait. Tu tires pas. Ok, ouais, c'est vrai. Oui, tout à fait, tu peux essayer de bloquer si t'as un truc dans les mains, mais je suis pas sûr que t'as un truc dans les mains. J'ai un fusil sans munitions. D'accord, tu peux parer avec, ouais, tout à fait. Je vais quand même demander à Reed un test de corps à corps, de combat rapproché, par contre, plutôt. Ouais, j'ai modifié, mais je sais pas si ça s'est mis en... Enfin, si ça c'est comment dire, actualisé, pardon. Sur le reste. Genre, j'ai toujours la même valeur, c'est ça que je voulais dire. Mais t'as refait ton G ou pas ? Ah, non, pas encore, pardon, vas-y. Tac. Ok. Alors, toi, tu fais plus de test de panique, là, à l'heure qu'il est. Rai, tu peux essayer de parer, de bloquer, donc tu fais un test de corps à corps toi aussi. Donc c'est. Ouais, mais c'est pas une action vraiment, donc tu peux pas paniquer là-dessus, mais on va voir si t'as des petits succès. Et surtout t'as une grosse combi, donc t'as un succès, donc tu lui enlèves un succès. T'as une grosse combi, donc tu peux essayer de parer avec ta grosse combi. C'est laquelle que tu as de combi déjà ? C'est la... C'est celle de ce vaisseau-là. C'est celle de ce vaisseau, donc attends, en armure, elle est à... 4 en armure. Non. Est-ce que dans ta fiche perso, il y a l'armure ou est-ce qu'il faut que je te rajoute Je l'avais pas mise moi. C'est où armure 0. 4, je te mets 4 et okay. Maintenant tu peux faire un test d'armure. Ah putain, ok. J'arrive pas à parer avec le fusil en fait. Avec mon... Si t'as pris une partie des dégâts, disons qu'elle t'a mis 2 coups de poing, t'en pars 1 quoi, tu vois. Ok, j'ai compris. Et donc j'en lance armure. Ok, je sais pas ce que c'est. Tu pars pas du tout. Ah oh, putain. Tu prends un point de dégâts aussi, également. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, elle t'a mis un gros coup de poing dans la tête. Et t'as la vitre de ton casque qui se fendille. Tout ça pour ça, les amis. Wow, comme une... C'est dommage. Je vais demander à... Est-ce que... Comment ? Est-ce que Cham, tu te souviens s'il y a une histoire de vitesse dans tes nouvelles caractéristiques ? On te dit que ta force et ton agilité augmentent, mais pas ta vitesse, hein, c'est ça ? Non, okay. J'ai rien vu sur la vitesse. Reed, je relis si tu veux, mais... Et Miller, je vais vous demander un nouveau jet d'initiative, s'il vous plaît. Yes. Pardon, Reed et Miller, tu le dis ? Ouais. Pardon. Initiative. Okay. 8. Ok, t'avais 7 avant. Et Miller, t'avais combien avant ? J'avais 4. T'avais 4. Pourquoi je te vois pas dans la zone ? Ah oui, voilà. Et là, t'as fait 9, hein, c'est ça ? Yes. Ok, parce que j'ai oublié un petit truc. Très bien. On en était à Reed. Très bien. Très bien. Donc, tu viens de prendre un coup dans la tête. Rai de Reed. Tu l'as pas du tout vu venir. Et Cham, t'as également été un peu surprise par ça. D'accord ? Ok. Tu vois même la visière, comme je disais, de Rai. Je mets les mains dessus, Ouais, c'est ça. C'est un des gestes désespérés, t'essayes de colmater la fuite. Non ! Wilson, c'est à toi à peu près, là, dans l'ordre. Ok, donc
moi, si je récapitule, j'étais en train de courir vers le SAS pour essayer encore une fois de faire ma carte. Il y avait Miller qui me coursait, et là, il y a toute cette scène-là qui vient de se passer. Ouais, c'est ça. Du coup, je pense que ça me stoppe. Je me retourne, je regarde Miller interloqué un peu, et je lui dis « Ok, Miller, je pense qu'on s'est planté tous les deux. je me retourne vers Reed et je lui fais « Ça a l'air d'être elle, la menace, en tout cas. » Je regarde à droite, à gauche, par terre, j'ai toujours pas d'armes. Je regarde s'il y a quelque chose que je peux ramasser ou je sais pas. Il n'y a pas d'armes, non, je crois pas. Il n'y a personne qui est tombé qui avait une arme. Hein, donc, Une arme de fortune, n'importe quoi, où je pourrais essayer de lui foncer dessus un coup désespéré. C'est Clayton, non ? Clayton peut être une arme, mais c'est un peu compliqué, non, je crois pas. Non. Ah si, tu... Comment dire ? Peut-être une arme, bien. Je vais te demander un test d'observation, tiens, allez. Dans la panique. Ok, tu me fais une panique aussi, du coup. 9, hein. C'est... Ça, tu vas réussir. Alors, attends, pardon, est-ce que je peux claquer un point de récit, ça compte comme une réussite et j'ai pas le jeu de panique. Si tu veux, mais moi j'allais te dire, tu réussis quand même à faire ce que je vais te dire. C'est juste que tu lâches si t'as quelque chose dans la main. Est-ce que tu as quelque chose dans la main ? Bah non, justement, c'est le but de la manœuvre, d'essayer d'avoir quelque chose dans la main. Donc, tu n'es pas obligé de gâcher ton point de récit, là. Bon, très bien, c'est gentil. Ta panique, c'est de lâcher tout ce que tu tiens en main. D'accord ? Et c'est tout. Par contre, ton stress augmente de 1. À voir si tu veux gâcher ton point de récit pour un point de stress ou pas. Allez, je monte à 8 en stress, vas-y. Très bien. Tu vois que Clayton, qui était habillé, hein, tu sais, elle s'était revêtue, avait dû cacher un flingue dans ses habits, ses habits ont cramé, mais il y a la crosse d'un flingue qui dépasse de sous elle. Et ben, je vais foncer dessus et essayer de m'en emparer, et si j'ai le temps, de tirer sur Reed. Tu pourras t'en emparer, mais tu pourras pas tirer là tout de suite. Ok, je vais m'en emparer. Très bien. Donc tu es armé, tu as un pistolet, le même que Miller en fait, pistolet de service, ok. Je vais te le montrer, tu l'avais vu ou pas ? Je suis pas sûr. Pistolet 9mm édité, je vais le donner à Wilson, agent de liaison. Hop, c'est bon, ça y est. Reed, c'est encore à toi, puisque vous voyez que ses mouvements sont hyper rapides. D'ailleurs... T'es habillé comment, toi ? T'es habillé en civil, ouais, hein, ou normalement, militaire, ouais, je me suis pas vraiment changé, mais c'est ça exactement. Ouais. Je pensais à vous voyez que Vous voyez que sa chemise a l'air d'être trop petite pour elle. Ses bras ont grandi ou sa chemise est passée au lavage ? Tu fais quoi ? Je vais essayer de finir rail. Hein. Ah non, si. Ouais. Tu vois cette solution en hurlant, c'est quasiment plus humain ce qu'elle dit comme parole. Ouais, non, je comprenais pas. Tu peux refaire un test de CC, là, je sais pas comment ça s'appelle. Ah oui. Tu pourras plus parer rail, tu pourras juste compter sur ta combi, d'accord ? Pour bloquer. Pas de modifier, du coup, des modifiers, pardon. Oh, wow putain. Désolé. Oh. Allez. Vas-y, rail, essaye. Combi, faut que je fasse un jet d'armure seulement. Ouais, c'est ça. Je vois pas les jets. Je vois pas les jets de... Ah, attendez, Reed est encore Reed, en... Si. Attends. Reed est encore en... Non, c'est moi qui t'ai encore mis en cachet, sûrement. Ah, d'accord. G secret. Voilà, ça y est, je l'ai enlevé, normalement. Eh ben, je vous dis, elle a fait 5 résultats de réussite sur son close combat. Wow. Ah, tiens, comme par hasard. Tu vois, bah non, mais maintenant... J'ai du tout, quoi. J'étais déjà bien en force, hein. Très bien. Donc, qu'est-ce que tu veux faire ? Parce que normalement, tu fais un point de dégâts par réussite, plus un point de dégâts par réussite supplémentaire. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ok ? Mais tu peux... Okay. Je peux disperser sur plusieurs... Non, ça, tu peux sur pas. Sur plusieurs cibles ? Non, ça, tu peux pas. Étant donné que t'as pas vraiment la conscience de toi, je pense que Tu vas juste fracasser. Oui, c'est juste sur rail, malheureusement. Il n'y a aucun moyen d'intervenir, sachant que je suis entre les deux. Au moins pour encaisser. C'est hyper rapide. Non, je suis désolé. À part si tu veux... Non, tu peux pas. Tu peux pas, c'est avant Reed. C'est pas possible. Ok. T'aurais pu changer ta place avec Miller si Miller était d'accord, tu vois, mais... c'est pas possible. D'accord. Rai, tu prends 5 points de dégâts. Ok. Elle est en train de... ce qui s'est passé, c'est que elle s'acharne sur lui, elle a mis un point dans la tête, plusieurs points dans la tête. Ensuite, elle continue dans le ventre, il commence à se plier, à tomber à genoux, et là, elle est en train de faire marteau-pilon avec ses poings-là. Elle est en train de tabasser, vous voyez du sang qui gicle partout. Tu passes à 0 points de vie, c'est ça ? Tout à fait. Tu vas me faire un dé
66 en haut dans la liste. Un D66. C'est après comme tech. D66. Ah, ok. D66. Ah oui, ok. Pourquoi ça fait ça? Normalement, c'est censé me mettre un résultat. 6. Si tu vas dessus, il y a un 6 en vert, mais est-ce que oui, c'est non, ça? En fait, normalement, c'est associé à une macro. Pourquoi c'est pas, elle est pas là, la macro? C'est con, ça? Attendez, hein, parce que je ne les connais pas par cœur, et du coup, j'avais fait D66. D66... Cancel... Attendez, hein, je vais la trouver. D66... T'as fait combien? 63. Je te dicte juste le nom de la ligne. Ça s'appelle éventré. Oh. Mort instantanée. Point final. Ouais, c'est moins. Bien, dans ce cas, je fais quelques hurlements, quelques secondes, le temps que tu me frappes au début, et très vite, les hurlements s'arrêtent d'un coup. Plus rien. Il y a même un petit silence qui s'abat sur la pièce pendant quelques secondes. Et il y a mon corps ensanglanté qui gît au milieu avec cette personne au-dessus de moi à califourchon, les mains en sang. C'est triste. Stylé. Désolé. Je voulais du pas. Du coup, vous voyez ça, Miller, toi, ça te fait sourire là, toute cette violence là. Ah ouais, moi je saute sur le cou de Wilson et je commence à le presser. Ça se passe tout en même temps, on est d'accord, hein, bien sûr. Hein. C'est pas l'un après l'autre. Hein. Faut imaginer que nous, on prend 20 minutes à le faire, mais en fait, ça prend 2 secondes. Et pendant que je le presse comme ça, je le regarde dans les yeux tu vois les yeux injectés de sang comme ça. J'ai de la bave aux lèvres et je suis là. Vous m'avez tout pris, saloperie de Wayland. Tout. Et je suis en train de serrer comme ça de plus en plus fort. Ouais, bien, tu vas réussir. Ou je meurs non, ce sera à ton tour. Bah déjà, il va faire un jet parce qu'il dit qu'il le fait. Mais... Je saute dessus, je te presse. Moi d'abord, ça marche qu'une fois par ce chapitre aussi. Non, tu pourrais essayer de le faire, mais qui va prendre ta place là, Cham? Je pense que Cham est encore la seule cible amie. Ah bah oui, hein. Tu prends un point de stress, Wilson, et tu fais ton moi d'abord, si tu veux, ouais. Mais tu passes à 9 en stress. Attends, comment ça se passe? Là, il m'attaque vraiment, il me touche, il réussit. Ah, je te saute dessus. Il faut qu'il jette le dé. Clique sur ton perso, Miller, et fais le close combat. CC tout en haut, le troisième, en partant de la gauche. Ok, donc Miller réussit. Voilà. Elle réussirait virtuellement. À toi de voir si tu utilises ton mot d'abord, parce que tu as vu qu'il y avait un danger qui t'arrivait dessus. Bah, la question, c'est surtout, là je m'étais jeté, mon action c'était de récupérer un flingue. Et ça, tu l'as fait, tu l'as récupéré. C'est ça, mais. Est-ce que tu tires ou est-ce que tu te caches? Ma deuxième question, c'est là il essaie de me choper. Est-ce qu'il va falloir attendre jusqu'à mon tour si je veux en réaction tirer, genre lui vider le chargeur dans la tête? Bah oui, parce que tu vas faire ça en te cachant d'abord. À toi de voir si tu veux d'abord te cacher ou d'abord tirer, en fait. Ça se fait pas tout en même temps. Je comptais pas me cacher, moi. Je comptais foncer, prendre le flingue. Moi d'abord, t'as compris comment ça marche. Tu te caches derrière quelqu'un pour que la menace te vise plus toi, mais vise quelqu'un d'autre. Mais dans l'optique où j'utilise pas moi d'abord, parce que si j'utilise moi d'abord, ça veut dire que c'est Cham qui prend à ma place. Oui, exact. Oui. Là, j'utilise pas moi d'abord. Si ma réaction, c'est de vouloir le flingue que je viens de récupérer, lui vider dans le crâne. Ok. Il faut qu'on attende la résolution de son action. Il me chope et c'est à mon tour derrière. Enfin, c'est quand ça sera à mon tour derrière de pouvoir faire ça. C'est ça, t'as jeté ton initiative toi aussi. Donc ça veut dire que t'as joué juste avant, t'as récupéré le flingue. Si tu veux, en fait, elle est en train de te sauter dessus dans le dos pendant que t'es à genoux, en train de récupérer le flingue, si tu préfères, d'accord? Puisque tout se passe en même temps. Et que t'as joué avant 8. Lui, parce que toi, t'as 8 et elle a 9. Donc, ouais. C'est ça. Alors, encore mieux, je te saute dessus comme ça, mais je te tiens, tu sais, genre j'ai une jambe de chaque côté au-dessus, comme ça. C'est le tour de Wilson, lui. Non, là, c'est le tour de... Là, pour l'instant, c'est le tour de Miller. Là, c'est Miller. Mais comme Wilson possède une capacité spéciale, et c'est le seul à l'avoir, que quand il y a un danger qui lui vient dessus, il peut décider de prendre un jet de stress, de faire un test et de se cacher derrière quelqu'un d'autre. Non,
C'est trop risqué, du coup je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser moi d'abord. Je suis voilà, désolé, tu es un bon Wilson. Voilà. Je suis désolé, mais... Non, non, en quelque part, Cham, c'est la seule... Tu honneur à tes ancêtres. Encore de survivre, quelque part. Du coup, tu prends un point de stress, tu je fais un jet de manipulation, il faut que je le réussisse, hein, bien sûr. Ouais. Et... Allez, vas-y. Ok, bon, là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de, de jet de panique, parce que c'est pas une action, vraiment, c'est un comment ça s'appelle, un talent. Donc tu réussis, finalement, à quatre pattes, à te faufiler... et à gêner finalement Cham, ça expliquera pourquoi elle peut pas aller aider Rai. Tu te retrouves dans les pattes de Cham. Cham qui allait pour aider Rai. Et puis derrière toi, Cham, tu viens de te prendre un coup de Miller. Derrière. Donc, toi, t'es en armure ou je sais pas quoi. Tu peux faire un j'ai test une pour essayer. Combinaison, de... Ok, ouais. Bah, tu peux faire un jet d'armure avec 4 de renfort là. Tu es où toi? T'as mis... Est-ce que je t'ai mis 4 dans le truc? Oui. Nice. Protection. 4. Ok, vas-y, lance l'armure pour voir. J'ai lancé. Ah, une tu l'as réussite. Fait, ok, parfait. Une réussite. Donc, tu arrives à encaisser. Et finalement, toi, Miller, tu tapes dans le dos de Cham et ça fait boing, ça résonne, tu vois. Je me retourne simplement et je te jette un regard pas franchement sympathique. Mais je retourne concentré à ce que j'étais en train de faire. Du coup, moi, Miller. Je pense que. Est-ce que moi je peux rester focus sur Miller, tu sais, un peu genre, tu sais, les regards se sur Wilson, Cham, tu veux dire, ou sur Cham? Mais non, sur Wilson. Et tu vois, et genre quand le regard avec Cham se détache, tu sais, genre, tu sais, tu penches un peu la tête comme ça, et je vois Wilson en train de se faufiler entre les gens, mais je cours dessus, quoi. Bah, pour l'instant, c'est à Cham, là. Moi, je vais ignorer Wilson, et normalement, si j'ai bien suivi, Reed est toujours. Elle est en train de le rail. Elle est en train de le tuer, quoi, clairement, tu le vois, quoi. Ok, je vais me mettre au-dessus, venir derrière Reed et appuyer mes genoux sur ses épaules et je vais attraper sa tête. Et je vais essayer de lui faire très très mal. Je ne sais pas, en fait, dans ma tête, je ne sais pas ce que c'est. Si c'est un humain, s'il y a quelque chose. Donc, je ne vais pas forcément essayer de lui tordre le cou, mais plutôt un truc hyper violent, voire essayer de lui arracher la tête. Très bien. Tu te rends compte, quand tu fais ça, que toi, tu as tous tes scanners là, qui sont en train d'emmagasiner plein d'informations, tu vois. Ouais. Tu te rends compte que sa tête, quand tu l'analyses en un quart de fraction de seconde, elle est beaucoup plus grosse que ce qu'elle devrait être et que ce qu'elle était. Comme si elle avait enflé un peu. Ok. Tu peux faire un test de CC, hein, bien sûr. Bien. Toi, Reed, t'as pas d'armure. T'es complètement en train de... Non, moi j'ai mon uniforme d'officier. En train de te balader, là, enfin, te vider tes nerfs sur lui. Effectivement. Tu te rends compte, Cham, que ce que tu voulais faire, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, parce que, en plus d'avoir un peu gonflé de volume, son crâne, ses os ont durci. Ok. C'est très bizarre. T'as fait le test quand t'as écrabouillé Flynn, c'était comme du beurre, là. Elle, c'est vraiment dur, quoi. Donc la seule chose qui se passe, c'est qu'elle perd un point de vie, finalement. Mais tu n'arrives pas à la tuer, alors que si c'était un humain normal, t'aurais réussi. D'accord. Miller, c'est à toi. Wilson, il est à quatre pattes. Et il vient de se faire découvrir par Cham qui a bougé. Attends, pourquoi il rejoue avant moi, du coup ? Parce qu'il est beaucoup plus rapide que vous. Donc il joue plusieurs fois. Elle est beaucoup plus rapide que vous. Pardon. Donc elle joue plusieurs fois par tour. La vitesse dans le jeu, ça marche comme ça, ouais. Quand t'as vitesse 1, tu es un humain normal, t'as une carte d'action par tour. Quand t'as plus que 1, quand t'as 2 de vitesse par exemple, tu joues 2 cartes. Nous on a 2 cartes. Donc en fait, elle est presque, animale, quoi. Elle ressemble plus à un chimpanzé un gorille qu'à un humain. Là. Elle, limite, elle parle plus, tu vois, elle sourit, elle fait des rictus, elle rit, elle est flippante, quoi. Et toi aussi, tu vois que ses bras ont vachement grandi, hein. Quoi. On parle de Miller. Hein. Ouais. Ok. Je crois que c'était Reed qui était comme ça. Ok. Moi, j'ai les bras un peu longs, ceci dit, on avait dit tout à l'heure. Tu fais quoi, du coup, Miller? Moi je vois Wilson, ça me transcende, je te saute dessus et je reprends mon petit cinéma, tu vois. Moi je veux, tu vois, je suis en train de salmodier contre la brûlante, tu vois.
Bouillante, ouais, pareil, je reprends, je te saute dessus par derrière, pareil, je t'attrape le crâne et je te fracasse contre le sol, tu vois. Donc, c'est tu veux bien pas agresser, quoi. Ok, d'accord. Ah, ouais, dans le strike direct, je saute dessus, tu vois, je reste focus. Bah, tu peux refaire un CC. Par contre, on va pas faire CC un point de vie par un point de vie à chaque fois, là, au bout d'un moment, il va falloir trancher. Mais vas-y, fais-en. Moi, j'en ai qu'un seul point de vie, donc. Ah, oui, c'est vrai. Je peux réutiliser moi vite, d'abord. Hein. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Ah, t'as fait une réussite. Ouais, réussite. Ok. je sais pas si tu peux réutiliser moi d'abord, parce que je sais pas si quand t'arrives à 10, tu fais pas une crise cardiaque ou un truc comme ça, je suis en train de regarder. Distress. T'as distress, Wilson? Ah, oui, il a 10. Ah, il prend un point de stress quand il utilise son truc. Ouais, dès qu'il utilise son truc, il a... Ah ouais, oh là là. Distress, coup, vu que je connais pas la. Moi j'ai un truc claqué aussi, mais je peux plus l'utiliser. Par cœur. Mais si c'est un talent, c'est pas une fois par acte. Non, ça dépend des talents. Non, ça dépend des talents. Ok, d'accord, ça dépend. Il y a des talents qui coûtent moi, pas de points de stress. Ceux qui coûtent pas de points de stress, comme le tien, bah, tu peux le faire qu'une fois. Mais il y a des talents qui coûtent un point de stress à chaque fois, donc en fait tu peux l'utiliser tant que tu veux, mais tu payes quoi, tu vois. Intéressant. Ok. Non, j'arrive pas à voir l'histoire de quand vous avez 10 points de stress. Donc. T'as beaucoup de dés, quoi. Ouais. Ouais. Bon, vas-y, fais ton moi d'abord si tu veux. De dés, mais bon. Je passe à 10. Tu passes à 10 points de stress. T'as vraiment ton cœur qui est en train de battre dans ta poitrine. Tu sens la mort arriver là. Tu vois, et en plus, la mort, c'est putain, c'est ton pire ennemi sur ce vaisseau. Du Montero, c'est 1000 heures, quoi. C'est trop bien. Vous voulez peut-être essayer ma carte d'accès, capitaine? Et là, t'as tout ça qui revient dans ta tête. T'arrives à te cacher. T'arrives encore à te cacher dans les, derrière les pattes de Cham. Ah, bien joué. Et Cham, tu t'as encore Miller qui va venir te tambouriner dans le dos. Bon, bah, allez, on peut voir si tu peux faire un test d'armure pour voir si tu arrives à enlever quelque chose, mais voilà. De toute façon. 4, hein, tu m'as dit. Ouais, toi, t'en as 4. Ouais. Mais normalement, je te les ai mis là, ça y est. Wow, ah, pardon, j'ai remis 4. Mais voilà. C'est pas grave, on va prendre que les 4 premiers. Réussite. Donc, tu as une réussite, ok, tu prends pas de dégâts. Bah, écoutez, là, la situation est un peu inextricable. Non. Vous... Non, oui, enfin, sauf pour toi, on est d'accord. Reed, tu vois que t'es en train, que t'as massacré le. C'est bon, ça bouge plus. Ta victime. Ouais. Ah, ça bouge plus, bon. Ça bouge juste Next parce que one. T'es en train d'appuyer sur son centre névralgique là avec tes poings. Ouais, je peux faire la différence donc. Et derrière toi, tu viens de te faire agresser par l'un de ces membres d'équipage là. D'ailleurs, t'as compris que c'était pas vraiment un humain. C'est un obstacle quoi. C'est un robot, c'est un androïde, quoi, tu vois. Tu sais que. Tu sais, Avat l'a dit, en fait. C'est tes petits copains, ils lui ont arraché un bras, Avat, quand même. Ils étaient dans le même état que toi, quoi, en fait. Du coup, c'est pas infaisable. C'est possible d'essayer de la mettre en pièces. Surtout qu'en plus, t'as vu qu'il y avait un membre de ta meute à côté de toi, là. Ouais, bah, il y a Miller, moi, je suis confiant, hein. Il y a pas de. Et vous êtes deux, vous parlez pas, vous communiquez pas par un langage compréhensible, mais vous grognez, vous arrivez finalement avec un espèce d'instinct de prédateur ou je sais pas quoi là, à vous coordonner finalement. Donc du coup, vu que Wilson est caché derrière Cham, la seule personne qui peut finalement changer la donne, là c'est à Wilson. Qu'est-ce que tu fais ? Bah, je vais déjà tirer dans la tête de Miller. D'accord, t'essayes de tirer, très bien. Ok, tu t'enfuis pas. D'accord, okay. En fait, ça dépend comment tu m'autorises ça. Si c'est si on peut se déplacer et faire une action, techniquement, j'essaie de tirer et après mon but. T'as deux actions par round en combat, une action lente, une action rapide. Le tir, c'est une action lente, tirer une arme à feu, et courir, c'est une action rapide. Donc tu pourrais faire les deux. Bah, je vais essayer de tirer sur Miller, headshot si possible. Ouais, non, tu peux pas viser là, si tu prends pas ton temps là. Par contre, du coup, je vais quand même. Alors, puisqu'il se passe ça, je pensais que t'allais t'enfuir, mais du coup, je vais quand même demander à Reed si avant elle a attaqué Cham ou pas en fait. Oui, donc, toi, bah, ça, tu faire tronger, moi, dès que j'ai compris que ça bougeait plus. Ah, très bien, pardon. Non, mais. Wilson peut faire son jet. Ah, pardon, Wilson peut faire son jet. Toi, tu peux aussi faire ton jet de CC. Très bien. Je vous lance un plus 1 parce que l'arme donne un plus 1. Ouais, d'accord. Si l'arme met un plus 1, tu donnes un plus 1. Ouais, ok.
Donc Rhys t'arrives à taper sur Cham. Je saute et tu sais j'avais mes deux bras. Oh nice. Ah Cham, tu peux essayer l'armure encore une fois pour voir si elle résiste à tous les coups que tu prends dans la mouille. Ok, donc là je remets pas plus 4, je laisse non, à 0. Non, tu mets pas plus 4 parce que je te mets dans ta fiche. Ok. Là par contre tu prends un point de dégâts, tu prends un point de dommage, pas de dégâts, dommage. Dommage. Tu vois ta barre de vie qui fait... Donc je perds un point voilà, rouge quoi. Voilà, c'est ça. Tu passes à 1 devant à 7 comme raid. Par contre, Wilson, t'as aligné finalement la tronche de Miller par-dessus l'épaule de Cham. Tu fais combien de dégâts ton arme de base? Elle fait 2 ou 3, je pense, non? Damage 1. C'est tout? Ah ouais, damage 1, ok, d'accord, ok. Damage 1, donc tu peux faire 1 point de dégâts, 2 points de dégâts, 3, 4, 5, 6 points de dégâts. Waouh! Wow. Je vais faire 6 points de dégâts. Tu peux décider de faire 6 points de dégâts, ok. C'est le moment où il faut que je regarde combien d'armure ont les bonhommes comme Reed, etc. Parce qu'en fait, moi, quand vous avez votre tête... Je peux utiliser le jet que j'avais, ma réussite là, de l'acte 1 pour dodge la balle. Ah, le non, parce que la réussite, c'est quand tu fais vraiment une action. Par contre, j'attendais. Tu peux lancer 4... tu peux lancer 6 dés de base. Là, c'est ton armure, en fait. Parce que ta peau, tes os et ton squelette, en fait, a grossi. J'ai oublié de le dire à... Reed aussi, qui peut dans protection mettre 6. Hein. Ouais, tout à fait. Ah, ok. Eh bien... Mais what quoi? Ok, putain, donc tu prends que, les gars, tu prends que 4 points de dégâts, Miller. En protection, tu m'as dit? Okay. Ouais, donc Wilson, tu vois, tu tires, les balles rentrent dans la tête de Miller, mais ça fait pas l'effet escompté, c'est-à-dire que la tête explose pas. Ouais, ok, il y a du sang qui suinte, mais il est à la fois purulent, tu vois, il semble être un petit peu, pas que rouge, tu vois. Il est également un petit peu jaunâtre, visqueux, dégueulasse. Je m'éternise pas en fait, je pense pas que je regarde vraiment. Ok, tu cours de suite. D'accord. Ouais, je cours. Tu cours, tu fais deux zones. C'est deux zones quand tu cours. Alors, qu'est-ce que tu appelles une zone concrète? Bah, une zone, c'est. Là, t'es dans une zone. Voilà, et après, tu peux en faire encore une. Donc, si je vais jusque-là, ça marche. Ouais, tu peux aller jusqu'à là, exactement. Ok. Enfin, je crois que c'est deux zones, la course, je connais pas par cœur, mais je peux vérifier parce que. Attends, zone. Je peux rentrer dans... Attends, bah ouais, genre, si tu veux... Mais galope, moi j'arrive derrière toi. Oui, oui, non, mais... Vas-y, cours. Hein. Tu peux courir, Wilson. Béni, je fais résonner les... Tu sais, en passant, comme ça, j'ai raflé les murs. Non, je sais pas, il faudrait en que gros, je gère ça comme pas même si c'est pas avec les vraies règles, on s'en fout, je t'explique ce que tu veux faire et tu gères ça comme tu veux. Je pense que tu vas plus loin que ce que tu fais quand tu vas à pied, donc ouais, vas-y, 2, c'est bien. Moi, je compte rejoindre maman. Je compte aller dans la salle de maman. Ok. Donc, tu te mets finalement devant la porte ici, c'est ça? Je peux lui parler à ça aussi. Non, ça c'est pour parler dans le vaisseau, ça. Dans les haut-parleurs. Ouais, tant pis, ouais. Reed, c'est à nouveau à toi qui est hyper rapide. Je suis désolé, juste Rosane, j'ai pas compris quel attribut il fallait que je augmente. Je suis désolé. Ce que tu m'as demandé juste avant, enfin ce que tu m'as dit juste avant. C'est bon, je te l'ai fait, ton ça armure. Protection. Ah, okay, c'est merci bon, beaucoup, c'est gentil. Désolé, j'ai pas de problème. Y a pas de souci, y a pas de souci. Excellent. Du coup, c'était à moi, il y a Cham de toute façon, donc... C'est ça, elle est beaucoup plus lente que toi, même si elle est très forte. J'essaie de lui dévisser la tête le plus rapidement possible, et... Enfin, l'idée, c'est ça, quoi. Normalement, ça devrait être facile, vous êtes habitué, toi, tu fais un CC, et elle fait une armure. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Toc. Ah oui, si, pardon. Toc. Ok, donc tu prends encore un point de dégâts, Cham. Et c'est à Miller, t'es derrière, tu fais quoi? Tu te restes focalisé sur la proie que t'avais essayé de buter juste avant, ton Wilson, ou tu te retournes sur Cham? Miller, vous m'entendez? Ah pardon, excuse-moi. Non, moi je reste, excuse-moi, j'étais ailleurs. Je reste focus, moi, sur Wilson. Hein. Très bien. Je regarde dans la direction dans laquelle il est parti, je le... Vu que t'es hyper rapide, toi aussi t'arrives à courir, à te déplacer hyper rapidement. Et donc en fait, tu es plus rapide que lui. Donc tu vas le rejoindre alors qu'il est en train d'appuyer sur cette putain de porte de sas pour qu'elle s'ouvre là.
Attends, je vais juste regarder les actions. On a dit que c'était une action. Courir, c'était quoi tout à l'heure, je vous ai dit Action rapide. Action rapide. Ouais. Donc. Lance pour tirer. J'arrive pleine balle sur toi, tu sais, genre je ralentis pas une seule seconde. Ouais, donc tu peux. Ouais, tu lui fonces dessus, tu l'attaques, tu fais un CC comme on a l'habitude. La pomme des roustes. La cage. La cage. Oh. Pas dans le dos, c'est. Enfin, au moment où tu arrivais et tu courais et t'essayais de lui mettre un putain de coup et de lui couper la tête juste, enfin de lui exploser la tête juste avec ton poing, la porte, ça s'ouvre et Wilson tombe à l'intérieur, il arrive à s'enfuir, merde c'est pas lui, il arrive à s'enfuir un petit peu entre tes pattes, il est complètement paniqué toujours avec ses 10 points de stress. Wilson, tu vois derrière toi qu'il y a cette créature qui est en train de beugler et tu... Parmi ces beuglements, tu as l'impression d'entendre ton nom là, Wilson, comme ça là, tu vois. Et tu es par contre arrivé dans la jonction. Cham, c'est à toi. Je vais reprendre mon bras mécanique et je vais essayer de frapper vraiment très fort. Toujours ride. Toujours ride, oui. C'est un duel, la machine contre les créatures bizarroïdes. Eh oui. On aurait pu ne pas en arriver là. C'était toujours. Oui, bah écoutez, tout à fait. Hein. On va finir comme ça maintenant. Oh. Donc Reed réussit à esquiver. Tu vois qu'elle est hyper rapide. Putain, t'as jamais vu ça, toi. Tu te dis, si je survis et que j'arrive à rejoindre mes. Comment on appelle ça? Mes créateurs, là, j'aurai des choses à leur apprendre, quoi. Parce qu'il se passe des choses vraiment pas normales dans ce film. Miller. Pareil. Ta cible est en train de fuir. Je la pourchasse toujours. Hein. Très bien. Eh ben, tu reprends ta trajectoire. Tu t'accroches sur le bord du sas là, alors qu'il est en train de se refermer. Tu vois, tu le tords même tellement t'es forte quoi. Le petit truc de sas là avec ta main là, tu le broies, il reste plié. Et tu sautes dessus. Yes. Vas-y, je te laisse faire ton jet. Quand même. Wilson, toi, t'es focalisé sur courir, mais t'as pas d'arme en main. De toute façon, tu peux même pas parer ce genre d'attaque. Bon, tu peux le compter. Flingue. Ouais, mais tu peux pas parer avec un flingue. C'est pas non, assez. Non, c'est chaud. Ouais. Je vais utiliser moi d'abord sur l'échelle. Non, ça tu peux pas, du coup. Tu peux essayer de prier pour que ton armure absorbe le choc. Tu te dis, putain, j'ai quand même une combi. Ouais, ça marche comment l'armure? Attends, je regarde. T'as quoi comme armure, toi, déjà? Enfin, comme combi. Je pense scaphandre, quoi. Ouais, mais t'as la combi du Montero. Ou... Du Montero. Ouais. D'accord, donc tu as que deux. Tu cliques sur ton personnage et tu cliques sur armure. Hein. Ah oui, un jet d'armure, ok. Et tu croises les doigts. Tu perds 2 points de vie. Je suis donc à moins 1. Donc tu es à 0. Oups. Et donc oh non, Miller t'a chopé par le bas du pantalon alors que t'étais, de la combi alors que t'étais en train de monter à l'échelle. Elle t'a mis des coups de pied ou de poing. Elle nous dira quand tu auras lancé ton D66. Et tu vas me dire le chiffre et je vais te lire la ligne. 41. Bah ça tombe bien, jambes cassées, impossible de marcher, tu peux que te traîner. Ah putain, tu restes à zéro. Ouais. Mais tu restes à zéro. Les prochaines attaques. Ah oui, t'aurais pu. T'as fait un des pires jets, hein, à partir de. C'est 61, ouais, 62, 63, 64, 65, 66. Merci, ton écouteur. C'est mort instantané, je crois. Ah mais vraiment, tu sais, t'aurais pu t'en sortir, mais. Mais non. Mais non. C'est malheureusement raté. Ah, t'as juste eu pas de bol, hein. Donc, je te mets un petit escargot là pour dire que tu peux te déplacer que la moitié de ton mouvement. Donc en fait, Miller, comment tu t'y prends là? Tu veux un peu kiffer sur les dégâts que tu fais à Wilson ou... Kiffer. Ou c'est moi qui décris? Tu veux te faire plaisir ou comment c'est quoi, l'environnement? Et en fait, il était en train de monter à l'échelle, donc il était un peu plus haut que toi. Et le résultat de l'action, tu nous décriras l'action, mais le résultat d'action, c'est que tu l'as cassé les jambes.
de te dire. Ah, je pense qu'en fait, je viens de placer, tu sais, j'arrive en courant un peu derrière l'échelle, je l'attrape à travers l'échelle, et tu vois, je le tire, et quand il tombe, en fait, c'est en gros, il se coince une jambe, et en tombant, il se prend quoi, ça pète, tu vois. Aïe, 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 ouais, d'accord, ok. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le truc un peu naturel, et tu sais, en fait, je le lâche, et il se retrouve en bas de l'escalier, tu vois. Ok. Ah, tu vois, comme ça, t'as la jambe qui pète, et on se retrouve, tu vois, dans un truc. Je suis là en train d'essayer de te choper, j'ai devant moi, tu vois. Il te reste un point de récit, Miller, ou pas? Ouais. Tu veux qu'il tombe sur le pont B1 ou tu veux qu'il s'écrase la gueule en dessous? Pardon? Puisque c'est une échelle. Excuse-moi. Et moi, si j'ai des points de récit, ils servent à quelque chose ou comment ça se passe? Toi, c'est un rage. Franchement, vas-y, moi, c'est bien. Juste cinématographique, c'est tout. Il continue à trébucher, tu vois, et puis il se fume un étage plus bas. Ouais. Oh, ok, pas de soucis. D'accord. Balance-toi en bas. C'est pas des points de dessin, les points de récit, ça marche pas comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Exactement. C'est con, j'en ai deux. Oh non! Si, attends, tu pourras réussir des jets grâce à ça, peut-être. S'il te lâche parce qu'il se passe quelque chose derrière lui, on sait pas. Ah ouais? Reed! Est-ce que j'ai le droit à une parole avant le tour de Reed ou pas du tout? Ou même parler? Ouais, tu peux parler un peu quand tu veux, mais ouais, vas-y. Je vais te regarder et je vais te dire. On était du même côté à la base. Je pense qu'on ferait mieux d'aller aider Miller plutôt. Vous trahir premier. J'ai pas compris. Vous. Elle parle plus très intelligiblement. Premier. Et je frappe. Elle parle de trahison. Elle a l'air impossible à raisonner, en fait. Désolé. Et tu vois que sur son visage, il commence à apparaître. Enfin, sur son visage qui a beaucoup gonflé, hein. Apparaître des espèces de plaques rouges. J'ai un gros mal de crâne. De plaques rouges ? Ouais, des espèces de plaques rouges. Et puis son crâne est complètement. Il fait le double de la taille normale, quoi. Ouais, le double quand même. Ah ouais, c'est hyper gros quand même. Oh. Et ça ressemble finalement, toi tu le sais pas, Reed, mais à ce qu'ils ont vu dans. Enfin, la dernière chose que Davis a vu quoi. Oui, bien sûr, moi j'ai le ref, mais bon, on va dire que j'ai plus le ref, tu vois. Si tu l'attaques, vas-y, je te laisse lancer, hein, qu'on voit lequel des deux plie le premier. Ok, deux réussites. Toi tu peux pas parer parce que t'as pas. T'as quoi dans les mains? T'as rien. Si t'as ton bras d'android, mais tu peux pas trop. Et mon bras d'android, ouais. C'est pas trop une arme faite pour parer, ça plie. Donc tu peux essayer juste de compter sur ton armure. Après, j'ai quand même le fusil à pompe aussi en bandoulière. Ouais, mais là je t'avouerai que. Savoir dégainer. Non, c'est pas ça, c'est. Il faudrait avoir dans les règles comment on fait pour dégainer, comment on fait pour. Tu vois. Et j'ai toujours l'incinérateur aussi. Dégainer, mais c'est une action rapide. Je pense que c'est pas... Et la parade. La parade, c'est. Je crois que ça te bouffe ton. En fait, ça voudrait dire que si tu fais ça, tu peux plus l'attaquer en fait. Tu passes ton temps à te défendre. Et toi, tu vois. Bah, après, c'est toujours bien. Hein. Donc fais ton armure, hein, comme ça on enchaîne un peu. Ok, tu prends 2 points de dégâts. Ok, il y a des petits morceaux de. De Cham qui commence à s'arracher là. Tu lui as mis des coups de poing dans la tête et tu vois qu'il y a sa pommette par exemple qui s'arrache et dessous ça révèle un squelette complètement, je sais pas si c'est du titane ou quoi que ce soit, mais complètement en métal quoi. Question à MJ, est-ce que le fait qu'elle soit pas organique du coup ça bloque mes instincts ou pas du tout? Pas vraiment, parce que toi ton instinct c'est détruire. On est d'accord, c'est juste pour être sûr. Désolé, du coup. Du coup, c'est quand même à Wilson. Wilson qui se retrouve sur le pont C avec les jambes cassées. Allez, Wilson. Wilson. Le pont C, je crois que c'est le pont où vous n'êtes jamais allé à part une fois quand vous êtes allé à. Wilson au pont C. Je vais t'y mettre, attends. Hein. Tu te retrouves dans un environnement où tu n'es jamais allé. Il y a. Plusieurs portes en fait autour de toi, tu le connais un peu parce que t'as vu les plans. Au-dessus de toi il y a une porte qui est condamnée, tu vois qu'elle a été sabotée, c'est un accès à un sas ou un ascenseur d'évacuation, enfin voilà. Et autour de toi t'as 3 autres portes en fait, tu peux essayer de te traîner. T'as toujours ton flingue, hein, en te traînant, tu peux essayer de le recharger un peu, on va dire. Je vais prendre le MJ en aparté une seconde, s'il vous plaît.
Ah bon? Je croyais qu'on faisait tout en clair. Vas-y, si tu veux. Allez, dernière aparté du jeu. Ciao. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, bonjour, monsieur. Alors... Quelle finale de merde. Bon, alors... J'ai été propulsé à un étage où oui. Je vais essayer de me cacher, je sais pas trop où, et en fait de tendre une embuscade et tenter le tout pour le tout, parce que lui, il va me traquer, il va descendre, et dès qu'il arrive à portée de flingue, je lui vide. Je sais okay. que c'est pas grand-chose, mais globalement, de toute façon, mon perso, il est seule chose que tu vois pour te cacher... Ici, puisque tu arrives au fond hein, de la jonction, il n'y a pas de D1. Hein. La seule chose que tu vois, et où il faudra un effort quand même surhumain, donc on va te demander de la mobilité, hein, c'est de te cacher dans un conduit d'aération. Vas-y. Je vois pas mon token. Je peux pas. Tu vois pas ton token, pourtant je t'ai mis. Ah non, je t'ai pas mis. Pourquoi ça marche pas? Ah, parce que tu es déjà sur l'autre. Voilà, c'est bon, ça y est. Mobilité, bon, tu m'as dit? Ouais. Ouais, mobilité, par contre, t'as 10. On stress là. Hein. Ouais. Tu j'ai un jet de panique, mais tu vas pas réussir à te cacher. Tu vois que c'est impossible finalement de se cacher ici. C'est que des couloirs. Et le. Comment ça s'appelle? Le conduit d'aération est vraiment trop élevé. 15 ou plus, c'est la catatonie. Tu t'écroules. Tu ne peux plus ni bouger ni parler. T'as les yeux dans le vide et tu attends juste la mort. Très bien. Je pense que je suis en train de pleurer. En fait, le bonhomme reste. Voilà, il y a une petite larme qui commence. Bon, bah vas-y, on peut remonter. Très bien. Hop, si tu veux, ouais. Ok. Tu as une petite larme. On est d'accord que je pourrais pas tirer. Je pourrais rien non, faire. Non, tu peux rien faire là. Okay, limite, si... tu prends ton flingue. Bah, je disais limite ton flingue, c'est ton doudou quoi. C'est ça. Ok. Bonjour. On revient sur le pont B et c'est à... encore à Reed. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait cette chose? Ah, coquine. Assez rapide quand même. Bah, non, mais moi, c'est encore une fois, malheureusement, j'ai pas d'objectif différent à chaque tour. Donc, je vais me contenter d'attaquer à chaque fois la flamme pour l'instant vas-y. Parce qu'elle est à côté. Tu fais un CC. Oui, non. Oh, ah non, ça loupe. D'accord. Miller, qu'est-ce que tu fais, toi? Ta proie est tombée dans le trou, là. Bah, je descends le plus rapidement possible. Tu descends. Tu mets limite, tu sautes, en fait. T'as même pas besoin de descendre les escaliers, quoi. Oh, si je peux, je saute. Hein. Quand t'arrives en bas, bon, même si tu t'es pété un os, en fait, tu t'en branles. On est d'accord que sur les jets de stress, de toute façon, tant pis, hein, c'est fait. Mais ouais, les points de récit, ça aurait pas servi. Ah, t'avais un point de récit juste au-dessus? Le prochain. J'en ai deux pour le récit. Alors attends, oui, ça change tout. Moi, je vous ai dit, j'ai pas fait le compte de vos points de récit. Le point de récit, ça fonctionne comment? Si t'as un jet qui te plaît pas, tu l'annules. Et tu remplaces. Oui, ben en fait, tu l'annules. Donc, en fait, tu remplaces ton jet dans lequel il y a des facehuggers par un jet flat sur lequel t'as un résultat réussite. C'est tout. Excusez-moi, pardon, rétro-pédalage, je vais plutôt faire ça si possible. Du coup, Miller il ressaute en haut. Ouais, on repart en aparté. Et... Donc, non, on repart pas en aparté, je sais ce qu'il voulait essayer de faire. Voilà. Donc, il a réussi, mais ça a été hyper dur. Et on a. T'as fait ton jet de mobilité, c'est sur celui-là que tu fais ton point de récit, on est d'accord hein. C'est ça. Très très bien. De toute façon, tu peux pas t'envoler. Comment? Miller, quand t'arrives au pont C, tu sautes, tu sais, t'arrives à la super-héros là, avec un point au sol, ça fait boum, ça fait un creux dans le sol et tout. Là. tu cherches ta proie et tu ne la vois pas. Autour de toi, il y a trois portes de sas fermées. Enfin, portes de sas, oui, portes qui s'ouvrent de communication, quoi. Fermées. Et une porte qui semble... gondolée comme si elle avait été forcée, verrouillée. Et pour être totalement complet, il y a également des arrivées de d'air, des conduits d'aération. Attends, je m'enlève parce que comme tu sais pas où je suis, en vrai, j'étais pas là. Hein. J'étais caché. J'ai pas regardé le plan, je sais pas où t'es. Non, je sais pas. Ah, on voit pas de toute façon, non.
Je me cherche. Soit vers le truc qui a été forcé, naturellement je me dis c'est vers là que j'irai. Ou alors, je sais pas, au hasard, tu vois, j'appelle, tu vois. C'est tout. Oui. Bon bah tu te rapproches en fait de cette porte un peu oui. Un peu défoncée là. Et tu cherches quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, tu peux plus trop faire de jet d'observation, je crois, ou de trucs comme ça, je crois pas. Encore c'est que. J'ai observation. Mais c'est sur quoi, observation? Sur esprit ou sur empathie? Parce que tu peux pas faire de jet d'empathie. Je vais te dire. Ouais. Parce que peut-être que tu peux chercher, ouais. Observation, t'as dit esprit. Esprit, ouais, bah, vas-y, fais un petit jet d'observation, vas-y. Tu peux pas forcer, bien sûr, parce que t'es plus vraiment humain. Très bien. Tu vois qu'il y a une petite traînée de sang qui monte le long du mur. Je lève la tête. Ça va jusqu'à un conduit d'aération. Je commence à me glisser à l'intérieur. Tu vois au fond, il y a une forme recroquevillée. Ouais, je m'avance. C'est Wilson. Wilson qui certainement te braque avec son flingue. Oh bah je sais pas si je vois vraiment le flingue, mais peu importe, je continue à avancer, tu vois, okay. avec un regard de dément, tu vois. Là, on va juste passer un peu, parce que ton tour s'arrête. Cham, du coup. Est-ce que la petite capsule là, qui permettrait à tout le monde de s'enfuir, est-ce que j'arrive à rentrer dedans ou est-ce que le code, c'est le code à l'entrée qui est demandé? Est-ce que c'est un code de démarrage ou un code d'entrée? Non, c'est pour y accéder. Y accéder, ok. Et c'est quoi? C'est une porte d'accès ordinaire? Non, c'est un truc blindé en vert sécurité, là, je sais pas quoi, là. Enfin, tu vois, la chose de l'autre côté, mais c'est comme une verrière, en fait, une vitre, si tu veux. Mais ça a l'air hyper solide parce que le truc de l'autre côté doit résister à une décompression, tu vois, quand ça s'ouvre et tout. Donc c'est vraiment. Et le clavier pour taper le code est à l'extérieur. Là, par contre, oui, bien sûr. Là, le clavier pour rentrer son code et mettre sa carte pour accéder est visible puisque Wilson avait testé tout à l'heure. Étant un petit peu dans le technique, je sais ce que ça fait si je casse le clavier. Ah bah ça coupe toute possibilité à quiconque d'utiliser le machin. Alors je vais essayer de faire ça, si tu permets. Je vais essayer de pousser Reed et d'aller mettre un énorme coup de pied dans le clavier de la capsule. Ok, donc finalement tu te fiches de parer ou de l'attaquer. Tu te déplaces vers là-bas et d'un coup de poing ou d'un coup de pied, comme tu veux, t'arraches complètement la platine. Ok. Très bien. Ce sera la seule chose que tu vas faire. Hein. Pas de soucis. Miller, t'as de la chance. T'es hyper rapide et hyper véloce. Donc t'arrives finalement sur Wilson avant même qu'il ait pu se retourner. Je suppose que tu finis le travail. Ah ouais, si je peux. Bah, je t'en prie. C'est. Tout à fait. Wilson, t'as toujours ta combi par contre, qui peut peut-être te sauver la vie. Même si t'as les jambes cassées, et même si vous êtes finalement en train de faire de la spéléo là, hein, dans le tuyau de. Dans les conduits. Dans les conduits. Aïe, dommage. Tu vas me refaire un D66, s'il te plaît. Oh, si tu lui arraches la jambe dans le conduit, c'est trop beau. 31. Nez cassé. Ouais, ok. Ouais, ça manque de panache. Bah, en fait, Miller, là, tu l'attrapes par la ceinture, tu le tires vers toi, tu vois son visage. Et là, tu lui écrases la face. Mais le type ne meurt pas, hein. C'est le problème avec les cafards, c'est que... Faut taper fort. Faut les écraser plus d'une fois, ouais. Reed, ta cible, c'est... Faut filer. Elle t'a tourné le dos, carrément. Et elle allait faire un autre truc derrière. Allô, Reed. Oh, pardon, excuse-moi. Désolé, je venais de faire du bruit, du coup, j'avais... Excuse-moi. Du coup, elle vient de faire du bruit derrière, je vais me retourner, évidemment, vers elle, et lui asséner à nouveau un coup. Hein.
Bah vas-y, hein, moi je te demande juste les jets, en fait, au bout d'un moment. Tu peux décrire ton mission, excuse-moi. Bien sûr. Okay. My bad. Cham a quand même son armure, donc voilà, donc elle perd encore 2 points de vie. Tu vois que Cham, elle commence à avoir des soubresauts, là, elle a ses épaules qui commencent à sursauter, là. Elle est mal. Wilson, c'est à toi, putain, il te reste un ultime souffle de vie, une ultime vigueur. Qu'est-ce que tu fais? Tu tires. Laisse-moi juste voir un truc. Quand t'avais tiré tout à l'heure, t'avais pas fait de facehugger, hein, quand t'avais tiré sur Miller. Non, alors okay. Là, je peux pas te dire. Non, c'est bon, avant jet de combat, non, il avait fait 6 ouais. Réussites. C'est très bien. Ouais. Bah, vas-y. Ah oui, par réussite, c'est vrai. Wow. Un peu comme ça, quoi. Mais, oh là là. Oh la vache. J'ai sur une de plus, mais. Tu peux me lancer une petite panique pour voir, s'il te plaît. 15, ah, encore une fois. Aïe. C'est beaucoup, hein. Je sais ce que ça fait, hein. Ouais, moi je sais ce que ça fait. On sait tous ce que ça fait. Ah non, les autres ils savent non, pas. Non, c'est pas tous, c'est vrai, ils étaient pas là. Ah non. Qu'est-ce qui se passe? Crise. Et bah, donc du coup, là tu viens de me. Tu viens de me mettre un. Tu vois que j'allais te mettre en joue, j'allais tirer et c'est à ce moment-là que tu m'as mis le coup, tu m'as pété le pif. Je suis sonné, mais je meurs pas, je te regarde, j'ai une petite larme qui perle sur le coin de la joue et. Non. Je lâche mon flingue qui tombe, tu sais, avec les mains qui restent immobiles et juste le flingue qui tombe, et là je commence à sangloter un peu, et voilà. C'est là où ça aurait été beau que ce soit à Miller tout de suite. Tu n'es pas mort, tu pleures. Et en fait, il tombe en catatonie. Wilson. Et toi, Reed, tu vas peut-être pouvoir finir le travail aussi. Putain, bah, c'est costaud aussi, hein, si je peux me permettre. Du coup, ça nous va mon temps. Pardon. Tac, tac. Voilà, 3. Bah bien. Est-ce que je peux utiliser mon point de récit pour mon armure ou pas? Non, c'est pour pas esquiver une action. Celui-là. Non, 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 non. C'est pas une action, l'armure. Et est-ce que là, dans ma tête, je considère que la capsule étant inaccessible? Oui. Mon objectif principal est à peu près rempli. Tu as juste le doute de Wilson. Mais de toute façon, Wilson ne pourra pas s'échapper non plus. T'en sais rien, en fait. S'il a réussi à tuer Miller... Enfin, tu vois, tu peux, t'es à 1% de chance de doute, en fait. Ok. Mais sinon, je vais quand même essayer d'encaisser celui-là. Okay. Mais Reed, tu vois quand même sur mes lèvres un sourire qui a rien à faire dans ce moment-là. Un sourire de satisfaction relativement intense, alors que je comprends, hein, que je vais me faire péter la gueule. Mais je n'ai pas du tout l'attitude qui va avec ça. Je suis presque genre, ouais, j'ai gagné, quoi. Je vais peut-être marquer un petit temps de pause et te rendre un sourire aussi, alors. Même état d'esprit. Avec sa tête complètement difforme d'éléphant. Ouais, un peu sur le côté, tu sais, pas vraiment pas naturel, genre. Avec un bruit de reniflement. Je vais te demander un D6, s'il te plaît, Cham. Un D66? Non, juste 6, puisque t'es un être synthétique. Un slasher, un D6. Alors tu fais un dé de base, je pense. Je sais pas. Non, dé de base, ça fait pas les chiffres. Ouais, tu fais slasher un D6 ou à gauche, tu vas chercher les dés. Dans la petite barre de latérale. Là. Ou sinon, tu prends un dé sur ton bureau et tu lances. Putain. Ah, c'est bon. Slasher un D6. Avec l'espace. Hein. Ouais. 2. Les deux jambes de l'androïde sont paralysées et il ne peut plus se déplacer. Sauf à ramper. Donc, okay. Reed, tu t'es également acharné sur ses jambes. Ok. Et limite, tu lui as arraché si t'as envie. Enfin, à toi de me dire, là. Toi aussi, tu peux te faire plaisir du coup. Donc, ouais, non, mais on va dire un truc comme ça. Hein. Je pense que je lui en brise une et je tire un peu pour lui arracher, la balancer un peu au loin. Et avec l'autre bras, du coup, je continue à pigeonner l'autre, peut-être le genou, un truc comme ça. Et je tape jusqu'à ce que moi, je pense que ça soit suffisant. Ok, ça tu vas taper un tout petit moment, ok, d'accord. Ouais. Je continue à te regarder pendant que tu fais ça, et tu vois le sourire qui s'allonge de plus en plus, hein. Je souris de toutes mes dents, et c'est hyper malaisant, quoi. Je devrais être en train de prier et de te supplier d'arrêter, et je suis ultra satisfaite de la situation.
Il y a des petites étincelles partout. Quand elle t'arrache la jambe. Miller. Il est à ta merci. Parfait. Le bon Nissan. Non, moi je continue, tu vois, je le tire à moi, tu vois, et je viens, et comme on est dans un espace confiné, pareil, tu vois, je l'attrape au visage, soit, j'aimerais bien, je l'attrape par le visage, comme ça, je lui enfonce les doigts dans les yeux, tu vois, là, en hurlant, tu vois, comme ça, ça résonne à mort dans la canalisation, tu vois. Exact. Oh, bon, je te fais pas faire de G, parce que là, il est en catatonie, il bouge plus, donc il peut même pas esquiver, quoi que ce soit. Par contre, juste pour... donner peut-être une ultime chance à Wilson. Quoique il est en catatonie, donc. En vrai, il me restait un peu. Il avait des points de récit. Mais le problème, c'est que t'es en panique. Et donc, quand t'es en panique, il faut que tu prennes le temps de dépaniquer si tu veux. Alors, et là, comme HRP, t'es tout seul. J'ai pas voulu cramer le point de récit juste avant là, pour éviter la catatonie. Parce que de toute façon, ça aurait été qu'une réussite sur le truc de tir. Ça aurait pas été suffisant pour son armure. Enfin, bref, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé comme ça. Mais c'est vrai qu'il me reste un point de récit. Okay. Bah, tu fais un D66 comme tu l'as fait déjà deux fois, je crois. Oui. Aïe. 65, je pense que. Tu vas rejoindre Rai. Oups. Tu sais quoi, je me suis loupé parce que j'ai mis deux fois 64 dans ma liste, mais ça passe parfaitement. Le 64 qui est deux fois s'appelle soit crâne broyé, soit tête perforée. Ah, qu'est-ce que tu préfères? Donc, tu préfères quoi, Miller? Choisis ta mort. Ah, Miller, pardon. Bien sûr. Crâne broyé. Donc tu mets tes pouces dans ces globes oculaires là. Et t'as tellement de force qu'en fait c'est même pas les yeux qui cèdent, c'est tout son crâne quoi. Exactement. Et dans un sprouch qui résonne dans le vaisseau, le dernier humain vivant sur le Cronus décède. C'est la fin de la journée. Wilson. Oh non. Je vais juste le mettre là pour que on voit son corps, même si il est pas là. Voilà. Eh bien, Cham, t'es encore vivante, même si tu peux plus rien faire. On est d'accord. Tu peux essayer de te défendre. Me laisser glisser, vu que je n'ai plus de jambes, contre cette porte que je défendais tellement. Mm-hmm. De ma poche. Merde, je suis perdu dans mes notes. Merde, je retrouve plus. Tu cherches quoi? Dis-moi. C'est bon, j'ai trouvé. De ma poche tombe une petite carte blanche sur laquelle se trouve un logo et en dessous est écrit Bio National. Personne ne voit cette petite carte tomber. À Paris. Reed s'en contrefiche complètement. J'ai pas les capacités mentales. Mais si une équipe de sauvetage ou quelqu'un trouve ce vaisseau à la dérive un de ces jours dans l'espace, ils verront que sur un navire où est l'Andiutani, une petite carte de visite de son plus gros concurrent, Bionational, qui avait envoyé un androïde sous couverture. Bien joué. Pour faire en sorte que les données et les recherches que Weyland faisait sur LV-1113 n'atteignent jamais leur destination. Oh yes, putain, jam. Et mine de rien, aidé par un équipage devenu complètement fou par les expériences de sorciers de leurs savants, eh bien, la mission de l'androïde sous couverture Lucas est réussie. Puisque pour l'instant, en tout cas, personne ne va retrouver le Cronus et ce qu'il contient. Yes. Fin.